Toc. Préparation, on met ça. Description. Préparation AP. T8. Préparation. Tu vas les faire toi Antoine du coup? Je sais pas. Tu sais pas? Ah. Sur Chanon ou... On verra bien. Je sais pas, on verra déjà si j'arrive à sortir. Ouais, c'est sûr. Il va falloir vendre des cartes, hein, je vous le dis. Il va falloir revendre là. Il va falloir revendre là. Tu vas revendre ton kid? Mon kimono, ouais. Kimono. Jamais le kid. Il est là le kid. Faut que je te montre le... ce que j'ai monté. Quand. Mais je l'ai pas emmené. Mais... T'as pas emmené? Moi je l'ai montré bleu jaune comme. Gros, c'est trop fort. Franchement, c'est fort. Hop. Les boules divines du gorille, tu vas trop kiffer. Allez. T'as mis quoi comme gorille? Le gorille kid. Ah, mais tu as trop bien. Mais oui, mais oui. Je sais plus ce qu'il fait, gros. Il est fort. Bah, il pète une carte, il sort Brest. Et explosion 3. Ah, c'est pas mal. 15 000. Hop là. 15 000 crit. Ah, c'est pour ça. Bah, il faut qu'il crit, ah, gros. Oui, mais moi, j'ai des crit partout. Tu ah, gros. Tout c'est pas critique. Moi, c'est là. Une carte qui coûte 8, qui a 5 000 de puissance, qui a crit, mais direct. Moi, je la mets. Tout de direct. Je m'en fous, il y a crit, je prends. Ouais. Alors, bon, du coup, on va pas mais c'est pas grave. Pour préparer une AP, moi, ce que je vous conseille au tout début, quand vous vous posez et que vous avez vos packs, moi, ce que je vous conseille, c'est une fois avoir tout ouvert, c'est déjà d'étaler vos leaders qui sont devant vous. Il faut déjà, on va dire, trouver le cheminement pour savoir où aller. Parce que là, vraiment, le but de ce soir, c'est vraiment d'abord de découvrir un petit peu les cartes, un petit peu en enfin, même si elles sont déjà mises sur le site, on va découvrir ensemble. Carte par carte, carte au maximum, ce qui peut être bon pour la paix, pour vraiment se centraliser là-dessus. On va vraiment vous aider en fait à maximiser vos chances pour pouvoir passer vraiment la meilleure AP possible. Puisque, on vous rappelle, au niveau des lots, vous allez avoir des sleeves à gagner. Donc les Gogetex sont vraiment jolis. Ouais, ils sont pas mal. En sachant que voilà, maintenant avec le système de tournoi en plus mis en place sur le nouveau site, il y a un ranking. Il y a un ranking, donc il faut perfectionner si vraiment vous voulez aller loin. Donc comme je vous disais, quand vous commencerez à ouvrir vos boosters, moi ce que je vous conseille tout d'abord, pour trouver votre marche à suivre, c'est d'étaler vos leaders, pour voir les couleurs disponibles et savoir où aller. C'est comme ça que tu fais aussi? Non, je fais pas comme ça. Comment tu fais? Je trie tout par couleur. Ouais. Je regarde ce que j'ai le plus en termes d'air, de type. Ouais. Et en fonction de ce que j'ai le plus, j'essaie de voir s'il y a un leader qui me correspond. D'orienter là-dessus. Après, c'est vrai que c'est... En AP, t'as pas de coup de couleur, je crois. Enfin, t'as pas de couleur. Sauf les capacités. Mais c'est vrai que je regarde ce que j'ai le plus, tu vois, genre quand il y a des engines... Je regarde ce que j'ai le plus. Genre BT6, j'avais tout ce qui était Gogeta, machin, je suis parti là-dessus direct. Ouais, voilà. Parce que c'est ce que j'avais le plus. C'est ça que, effectivement, je voulais... Le mieux, voilà, c'est de prendre vos leaders, puis chaque tas de couleurs, pour justement savoir où vous allez. Car ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de coup de couleur, mais tout ce qui demande des effets, c'est obligatoire. Donc si par exemple, vous avez 3 super combos en rouge, en sachant que piocher, ça reste très fort, il vaut mieux peut-être maximiser là-dessus. Et après, enfin, ça c'est un peu la seconde étape, pareil pour vos contres, mais surtout la première étape, ouais, c'est de voir là où vous avez le mieux dans le jean. Comme disait Antoine, donc c'est tout ce qui est synergie des cartes, c'est-à-dire par exemple, si vous avez plus de Gogeta que de Beerus ou que d'autres, vaut mieux partir sur ce que vous avez vraiment le plus en masse pour avoir une meilleure force de frappe. Après, ce qui est bien en AP, c'est qu'il y a certaines cartes qui, du coup, ne sont peut-être pas jouées en méta, mais qui vont pouvoir être très très fortes. Des cartes qui peuvent, par exemple, avoir des effets comme la réplique. Je sais qu'en AP, le plus fort, c'est quand tu gères le board et les répliques. Donc tout ce qui pète des cartes, tout ce qui réplique, il faut mettre direct, je pense. Effectivement. Donc du coup, pour résumer tout ça, donc la BT8, ça va donc amener beaucoup de cartes basées sur des arrivals, sur des bicolores aussi. On va avoir aussi plusieurs types de jeux. On va avoir le côté, comme là vous pouvez voir avec les leader Bulma. Oh, t'as beaucoup de types de jeux. Ouais, des types de jeux un petit peu plus contrôle, donc avec beaucoup de bloqueurs, ça a beaucoup accentué là-dessus. Donc là, par exemple, si on prend la carte numéro 1, donc le leader Bulma, son permanent, c'est que tous les Saiyans et Terriens rouges et jaunes dans vos zones de combat acquièrent la capacité bloqueur. Donc, vraiment, ça, c'est très très fort, puisque on découvrira plus tard les certaines cartes qui vont... C'est nickel pour le chat, d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça. Qui vont donc justement pouvoir... Attends, il n'y a pas le son.
Si, Ah, il n'y a pas le son? t'as mis le micro? Oui, il y a le micro. Oui, micro, ok. Non, il y avait des micros, donc c'était droit. Ok, nickel. Donc là, pareil, si tu ouvres 3 saliens dans ton AP, tu joues pas Bulma, tu vois. T'as compris? Tout à fait. Surtout que ça, c'est une petite boîte dedans. Donc vraiment, ce Ah, c'est, si leader... tu veux faire une Shuriken, c'est comme ça qu'on fait. Tout à fait. Après, ça reste un leader peut-être pas potentiellement le meilleur à choper en AP. Puisqu'effectivement, on vous permet de piocher une carte, mais elle n'a pas plus d'effet que ça. Comme disait Sweet Boy, elle n'a pas d'effet de contrôle ni de destruction. Je pense qu'en AP, c'est un très mauvais choix. En Ouais. 5-10 000. 5000, hein. Cin C'est-à-dire qu'au T1, 5-10 000, tu prends le cher. même Hein. si vous attaquez à 5000, va falloir booster à chaque fois pour que votre leader puisse chatouiller les leaders Tu vas te adverses. cramer d'une carte Ça, je pour. pense que c'est un, ça, c'est vraiment un Ouais, leader c'est un mauvais construit, call. quoi. Construit, plus. On construit, c'est fort, et encore, enfin, c'est très fort, mais. Et le seul côté cool, c'est que vous pouvez piocher deux cartes une fois par tour, mais c'est tout. Mais piocher deux cartes, sachant que vous allez devoir cramer à chaque fois une carte pour le combo, Ça revient au même, quoi. ça revient au même réellement. Enfin, C'est deux cartes, même, parce que Oui, encore. sur 15, Sur 15 sur sur 15, t'es 15 et obligé de l'autre prendre sur 2, 2, hein. ouais. Donc vraiment, en AP, moi je le conseille pas. Non. Non. Après, tout dépend, si t'as 50 Saiyans, 50 Terriens, Ouais, mais tu la vois, probabilité de pioche, enfin, vous allez voir sur la parce globalité, que c'est t'auras pas. les... Sur 6 boosters. Parce que je crois que t'as les petits Goten Revanche, Donc il revanche qui qui vont très rejoint, mal. ça, je veux dire. Ça, c'est si tu si t'en chopes 3-4, go, hein. Donc deuxième leader rouge. Voilà, donc Beerus, Virus. qui vous dit qu'une fois par tour, choisissez une carte rouge ou jaune dans votre main et placez-la dans vos zones de dispersion, piochez deux cartes. Donc là, vous perdez une carte pour en piocher deux. Ça vous fait un petit plus un, bon. Pas folichon, mais ça reste un petit plus un. Oui, ce leader est pas mal. Son éveil, c'est quand même deux sources d'énergie relevées. Donc, relever deux énergies, quand on a une bonne main, c'est très très fort. Plus vous avez d'énergie, plus vous allez jouer de cartes. En AP, le but, c'est vraiment de flouder le terrain pour vraiment faire très mal. Pour moi, c'est vraiment très fort. Là où Beerus va être très intéressant, c'est que pour un rouge et un jaune, sachant qu'il n'y a plus de couleur dans les AP, je vais laisser une carte de combat adverse et mettez-la KO. Ah, je pense que justement, si, Alors, faire si, si, ici un en rouge un. capacité, si la couleur reste. Ah oui, la C'est que capacité. pour caster en fait. Ah oui, seulement cast. Donc là, ouais, ça va Donc, partir sur choisissez une le carte de jaune et combat rouge. adverse pour KO. Donc là, ça vous permet de faire une destruction ciblée. Je pense que ce leader va être Ça, ce fort. leader est très très fort Parce que en vrai. là, tu choisis une carte multicolore dans ta zone de destruction, tu combos avec. C'est-à-dire que gratuitement, tu peux faire un 10 000. C'est fort. En rouge, Ouais, en je pense que plus. c'est, je pense que ça peut être Beerus en fort. rouge, vraiment, c'est une Et on must. n'a pas dit que aussi BT8 apporte la nouvelle bicolorité rouge et jaune. Fort, Voilà, très très donc ça fort. va être Le un rouge bon jaune et le rouge mélange. jaune. Ça va être lourd. Ça va être lourd. Le Goku Cestroc qui tout Ça fait double. mal au cul. Donc, quand la puissance d'une carte de combat adverse est diminuée, s'il n'y a pas de Sangoku CS3, donc lui-même en jeu, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Donc là, il va falloir compter sur des baisses de puissance. Qu'est-ce qu'il y en a? Généralement, oui, il y en a, mais c'est plutôt dans les lubies. Donc, c'est vraiment très ciblé. Je pense pas que c'est une carte vraiment à mettre. En Après, AP, hein, parce pour. que Oui, en AP. peut-être Là, on parle après, vraiment que de l'AP, effectivement. ou alors en fin de deck, quand il faut boucher les trous, pourquoi Ouais. pas, mais bon, c'est pas en priorité, quoi. Ça, c'est quoi l'activation combat 3 sur cette carte de l'expansion? En parallèle, sur une carte de combat adverse, ça perd moins 5 000. Donc, si t'en as deux en main, ça va. Si t'en Enfin, si as t'en as deux, une en destination, une si en t'arrives main, en topé 3, ça peut être pour pas une, mal. voilà. Parce qu'il faut aussi se souvenir que c'est pas 54 que vous jouez, c'est 40. 40. Donc les pioches sont beaucoup plus rapides. Donc Mais si. faut la tirer, c'est quoi? Elle est rare ou c'est Faut. une. Ouais, c'est une Non, rare. C'est une c'est rare. une rare ça. Donc il va falloir la choper, celle-là. Hein. Là, c'est Ouais. une rare rareté à ce moment-là. C'est une rare. C'est une rare, donc faut la choper en x3, Ça va c'est être cool, comme ça va ça. être cool. Compliqué, Ou si, tu peux la mettre quand même dans un deck. Si tu joues ouais. rouge. Si toujours, mais faut en x3, enfin. Ça pour enlever Pas forcément pour la 5000. jouer, mais juste pour son effet, par Oui, exemple. Je sais pas, et les c'est seulement une carte dégâts, de tu combat vois. adverse, c'est pas Voilà. leader donc. Ouais. Mitigé. Là on a un évolution X, donc ça peut être intéressant. Sur un Goku GT jaune, c'est bien ciblé Goku GT jaune, un coup d'énergie de 1. Donc quand sa carte évolue en celle-ci, cette carte gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Costaud. Donc 20 000, 15 000 de plus pour le tour. Ça permet d'avoir une très bonne belle. Enfin, vraiment une très grosse force de frappe pour seulement 1. C'est vrai que à voir ce qu'il y a en GT jaune. En sachant que au pire des cas, c'est une 5000 de combo. Ah, bien sûr. 5000 de combo, une carte qui peut devenir très forte. Ouais. Ça peut être pas Ça, mal c'est si pas mal. vraiment vous avez la source qui est le Sangoku GT. C'est vrai. C'est vrai que pour 3, ça peut faire mal. Enfin, Ouais. pour 1, Pour 1, pour 1, ouais. ça peut On faire est très bon. mal. Sangohan, entraînement est terminé. Explosion 3.
D'ailleurs, à rappeler que si jamais votre deck atteint 0, vous remélangez votre dispersion et vous relancez votre deck et vous En perdez AP, pas. en Donc les AP. explosions, pas besoin de regarder là-dessus, vraiment ça peut être pas mal. Foutait, ouais. Donc là on est Ah, sur un une top carte pour 5000 à Sergio 10 000. là. Ouais, j'ai vu critique. Il a vu, J'ai vu juste le mot-clé critique, c'est Il y a bon. un autre qui a fait crack. Ça, moi C'est ça. je. Ça, hop, je prends. Activation Je principale, cherche une même fois pas. par Ah non, tour, ça c'est sûr. cette carte a 5000 de puissance et acquiert coup critique. Ça veut Oui. dire que vous allez avoir une 15 000 critique pour 2. Donc ça, vous prenez. Hein. Ça, Ah, ça vraiment, c'est c'est bien. à pas C'est réfléchir. top pick, quoi. Enfin. Vous n'avez pas de coup de couleur en plus pour l'activer, c'est juste une fois par tour, vous explosez 3, vous avez 15 000 Il crit faut savoir pour qu'en 2. AP, t'as le droit de mettre autant de cartes que tu veux. T'es pas limité à 4. Hein. Et c'est une commune, donc vous C'est allez là, tu sûrement la pouvoir jettes la une fois, tu la toucher. mets 8 fois. Celle-là, c'est clair. C'est ça. Un skill, un non-skill, Ouais. 20 000. Ça c'est pareil, hein. Tout ce qui est 2. skill laisse à 2, 20 000, Ouais, c'est fort pour aussi. moi c'est à mettre. Hein. C'est fort, hein. C'est à 20 000 de frappe. Pour 2, vraiment. Le fameux Goten qui a vengeance. Donc effectivement, avec Bulma se joue bien, mais comme on vous disait que le leader qui est pas ouf pour l'AP, je sais pas. Moi je suis mitigé. À Hein. voir hein, si tu ce que tu chopes en Ça fait. dépend ce que tu as retour. Ça dépend ce que t'as. Hein. Là, on est sur une commune, donc on peut quand même la toucher aussi pas mal de fois. Après, Après, ça reste une vengeance. Ouais, c'est il n'a une pas vengeance à bloqueur, 5 par points. Après, contre. tu l'as Il n'a joué pas Nobius, bloqueur. hein. Mais il gagne bloqueur avec le leader Mais il gagne Bulma, bloqueur quoi. avec Bulma. Ouais. Ah non, tu l'as joué Nobius, je suis con. Non, avec Bulma. Avec Bulma, Vraiment. ouais. Surtout qu'en plus, elle a 5 000. Donc, comme on avait vu le Gougou qui se transfère, qui enlève 5 000, elle peut vite mourir aussi, à prendre en considération. Alors, les Ouais, sous sous-contrôles. contrôle. Donc là, on est sur un 10 000 avec 5 000 de combo. Quand sa carte est mise KO, choisissez jusqu'à un sous-contrôle autre que son Goten GT dans votre zone de dispersion et jouez là. Donc là, en fait, il faut qu'elle meure, en sachant que l'adversaire le verra. Ça ne va pas laisser première cible à toucher. Vraiment, moi, je suis mitigé. Si vous n'avez pas une grosse base baby, c'est pas quelque chose Oui, voilà, à jouer. c'est plus une carte de construit, ça, pour Donc là, être tu vas me dire, en fait, perso. là, c'est. Est-ce que c'est quand elle est mise KO? Donc elle est mise KO, c'est elle que tu peux la remettre ou pas? Autre que son Goten Ah, Master c'est Vengeance, autre! quoi. Ah, je croyais que c'était un Comme son ça, Goten il faut Sauvage. d'autres de la même chose et faut qu'elle soit mise KO. En sachant que toi, tu Ah vas pas oui, mettre KO tes propres ok. cartes et que Non, les c'est deux ok. adversaires, C'est c'est un deck sous pas. contrôle, quoi. Ouais. C'est ouais, une carte de construit. C'est les decks baby, donc ouais, c'est. Donc là, pareil, Alors moi, je moi. pense, si, moi, je pense vraiment qu'en AP, ça peut être sympa. Si t'en as d'autres. Ouais, ça va. Parce qu'en Oh, je AP, tu charge. dois gérer le terrain. Non, Donc si en te gérant le terrain, t'arrives à reposer une bille. mais faut vraiment que l'adversaire. Enfin. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est non. soit t'as une 10 000, soit il te la gère et tu en mets une 10 000. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Si Ouais. t'as d'autres, Si t'as d'autres sous contrôle. si t'en as d'autres sous contrôle, je pense que ça Ouais. peut être intéressant. Donc, on a justement un autre sous contrôle. Permanence, la carte ne peut pas évoluer en d'autres cartes de la capacité évolution. On pense notamment au Trunks Zeno. Je pense qu'ils ont dû comprendre qu'il fallait faire attention à ça. Alors, activation principale. Placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Choisissez jusqu'à un baby avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre main. Jouez-la. Si vous jouez une carte ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse. Elle perd 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc là, il faut choisir un baby. Donc, apparemment, ça demande de ce que vous allez sortir. Et si tu la joues ainsi, tu enlèves 5 000. Toujours une carte de combat. Vraiment que combat là. Bon, je suis pas fan. Je sais À pas. Moi, voir je pense après, que mais bon. les cartes qui ont trop de. Ouais, Ouais. qu'elle Faut coûte éviter. Ouais, je pense qu'il faut éviter. 3. Pour 3, c'est vraiment. Ouais, je En AP, pense. c'est En pas. AP, Si t'arrives c'est. à la Ouais. jouer quand il tue le Goten, Ouais. tu vois, c'est tout un. C'est tout un truc qui Vous coûte n'aurez 3, jamais c'est. toutes Toutes les cartes, ouais. les conditions réunies pour jouer ces cartes-là, donc ou très rarement, cas exceptionnel. Alors, la vie d'aide, aide miraculeuse. Donc, cette carte acquiert Saiyan dans toutes les zones. Ah, c'est Avec bien. Bulma. Si votre leader est une Bulma rouge, donc en plus elle la cible, donc déjà. Voilà. De base. Vous choisissez jusqu'à un rouge ou jaune dans vos zones de dispersion, placez-la au-dessus de votre deck. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un Saiyan rouge ou jaune avec un coût d'énergie de 3 ou moins dans une dispersion et rajoutez-la à votre main. C'est un tuto, mais il faut malheureusement que Bulma. Et ça va chercher que du rouge ou jaune. Bon, on a payé. Bon, à voir. C'est une même C'est commune en plus. Hein. ouais, mitigé aussi. On a plus. On a payé, non. En AP, moi je dirais Bon, next, mais. ouais. Ça dépend Ouais. vraiment de votre Sauf construction, si, mais. voilà, Ça si dépend vous de ce que avez tu un as, ça peut deck sûrement Bulma, jouer. pourquoi C'est pas. ça. Alors, Chichi. Chichi. Très très bonne carte. Moi je l'adore. J'attends cette carte. Donc, si vous avez deux cartes multicolores, rouge, verte ou plus, parmi vos sources d'énergie, quand vous effectuez une combo avec cette carte, piochez une carte. Un super combo. Sans les 10 000, on reste sur du 5 000.
mais qui vous permet de piocher. Ça, c'est très fort. Une... Ah, par quand contre, c'est une deux rare. Cartes multicolores. C'est une rare. C'est une rare, donc. Ça, multicolore rouge-vert, pour être précis. Ça, hein, ça, ça en AP, tu peux pas. Non, AP, c'est trop dur. Ça va être trop compliqué. Ça te fait une 5000 de combo, mais... C'est une 5000 qui pioche, mais ouais. Après, ça dépend encore une fois de votre construction. Moi, je mais... pensais que c'était une multicolore tout court, en fait. Non, c'est quand rouge. Une fois, je pensais... C'est bien ciblé. Alors, là, sur la Bulma, au courage inflexible. Quand elle donne la bonne baffe au petit Beerus. Trop forte, cette carte. Quand on joue cette carte, vous piochez une carte. Ça, c'est toujours cool. Même si là, on est sur une 1000. La première fois, combo 5000, donc vous pouvez vous dire que je la joue pour 1 si au moment vous avez rien. Ça vous permet de repiocher une, d'avoir un petit combo à 5000 en défense. Tu perds pas de CA, tu repioches derrière. Bon. Ça perd juste une attaque en vrai, mais... Je pense que ça peut se mettre en AP. Ça peut se mettre en T1 si tu arrives à la choper, ouais. Mais... Alors, sinon son effet, une fois par tour, choisissez jusqu'à un Saiyan rouge ou jaune avec un coup d'énergie de 1 dans votre dispersion, annulez ses capacités pour la durée du tour et jouez là. Trop fort. Si vous avez joué une carte aussi, passez deux cartes du dessus de votre deck dans zone de dispersion. Petit côté de vengeance, Ouais, mais qu'il faut bloquer avec Bulma, ouais, pareil, je suis mitigé cette carte-là. Si vous avez le combo, la petite Bulma avec... Vous la gardez. Avec le Vegeta jaune-rouge, là, si vous l'avez. Voilà. Super combo, on va pas passer là-dessus. Enfin, super combo. Voilà, c'est on connaît. Vous prenez direct. Péru sur le qui vive, critique. Critique, bon. Oui, ça, on met direct. Mais ça, tu prends tout de suite. Vas-y, on a. Ça, on a, pour 3, 15 000 critiques. Vraiment, c'est pas. Avec lesquels là. Mais il est critique, mais lis la suite. Un seul Beerus au qui vive peut être joué dans une zone de combat. Et s'il y a une carte multicolore rouge jaune avec une source d'énergie, réalisez de 2 le coût d'énergie de 1. Donc, pour 1, t'as 15 000 crit. Ça, c'est ça, pour c'est moi. Fort. C'est pour Bubi. Ah, ça, c'est pour et rouge jaune. Une rare, bon. On va pas en prendre 4, mais. Juste 1 ou 2, ça peut être pas mal. Devant le deck, ça peut. Ça peut faire mal. Ça peut faire la différence, parce que le critique, c'est vraiment très fort. Surtout en Pilaf. Quand vous jouez ces cartes, vous avez pioché une, donc ça c'est fort. Pour toute la durée du jeu, si le joueur dont c'est le tour veut passer une source d'énergie en mode d'action avec la capacité d'une carte combat ou d'une carte extra, il ne peut pas le faire à moins de choisir 5 cartes dans sa zone de dispersion et les transférer dans la dimension parallèle. Alors autant vous dire que ça, vous le verrez pas en AP. Enfin. Chantez, mangez un dé, gros. Il mange des dés. Il les gobe. Je sais ce qu'il fait, gros. Il a des dents en béton. J'ai pas vu. Il est tout, monsieur. Le portugais, quoi. Ah, on dirait qu'il mange tout. Un bout de ciment, un bataque. Tu crois qu'il s'en double, ciment, à ton avis? Ah, je sais pas, ouais, ça. Ouais, ça. Tu bois des dés. Donc, ouais, donc ça, c'est pas ouf. En vrai. Ouais. C'est comme la Bulma, après, ça te pioche toujours un, c'est cool, mais. Des choses qui vont relever autres que les éveils, vraiment, il n'y en aura pas. C'est pour boucher les trous. Ouais, c'est pour boucher, c'est vraiment, c'est en galère. Si vraiment, vous n'avez pas les cartes. Ah oui, ok, c'est ça. Ouais, c'est Docteur Mew, le cerveau. Donc tu peux en avoir que un sur dans ta zone de combat. Et c'est une carte multi-rouge ou jaune parmi vos sources d'énergie. Vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût. Après, ça reste une simple 1000. Donc c'est pas une force de frappe. Et il faut que votre leader soit un baby jaune. Quand vous la jouez, vous pouvez chercher jusqu'à un baby jaune avec un coût d'énergie de 1 depuis votre deck. Ouais, donc ça en a payé. Non. Trop de conditions. Trop de conditions. En gros, c'est un tuto pour le baby jaune qui coûte 1, qui frappe pas. Ouais. Qui fera juste un combo à 5000 au pire des cas. Moi, je passerai. Ouais, une commune, vous l'aurez qu'une fois. Ça se joue que pour le T1. Ouais, non. Vraiment, ça. Le gros baby A8. Des fois, en AP, vous pouvez aller très loin dans les tours. Puisque par moment, à force de se défendre, ça peut aller très loin. Donc, moi, les grosses cartes, moi, je vous dis, n'hésitez pas à les poser. Ouais. Après, là, on est comme sur un 8-20 000. Je pense qu'il peut y avoir mieux en grosse force de frappe. Ouais, mais 8, 8, c'est très lourd. Il faut voir ce qu'il fait aussi. Ouais. C'est pareil. C'est... L'union d'absorption avec un Vegeta, bon, bah, ça, c'est trop. Trop de conditions. Trop de conditions, je cherchais le mot. Merci, monsieur. Ouais. Vous pouvez en avoir qu'un sur le terrain. Et quand un bébé est en zone de combat avec une puissance d'origine de 30 000 qui est de votre zone, vous pouvez jouer sa carte depuis votre main. Ouais, c'est après, pas ça se joue depuis la main, mais ouais, c'est ouais, condition. Attends. Donc, puis. Le baby, le getter, je vais laisser un baby jaune avec un coup d'énergie de 1 dans vos zones de combat et placer dans la zone de dispersion et jouer sa carte depuis votre main. Je vais dire pareil, trop de conditions. Pas c'est une commune, vous pouvez en avoir plusieurs, mais c'est pas c'est des cartes de T1, c'est pas une priorité. Ça, ça coûte 2 pour 10 000. Ça dépend, si t'as le baby jaune de 1, tu tapes une fois, je sais pas à combien il est. Tu tapes une fois, hop, tu envoies, tu renvoies lui, tu tapes une deuxième fois, 10 000. Non. Bon, je n'ai pas dit ça sera très rare. Ouais. Naissance d'un Super Saiyan God. Oh, alors, c'est un souhait, je vais essayer de faire un Saiyan rouge ou jaune avec un coup d'énergie de 2 ou moins.
ou terrien. Tartunix. Si vous avez joué une carte ainsi, placez deux cartes au-dessus de votre deck dans une dispersion. Donc ça c'est pas mal, ça permet pour deux de recycler un peu votre dispersion. C'est une commune. C'est une petite commune où vous l'aurez forcément. Pourquoi pas rentrer, ouais. Ça dépend vraiment de ce que vous allez chercher en deux. Si vraiment c'est intéressant. Si vous avez des cartes qui coûtent deux qui peuvent être très très fortes, let's go. Mais là je vais rien, une petite chose. Je vais revenir en arrière, je vais vérifier une chose pour voir si le combo peut être possible. Où c'est qui baisse? C'est une énergie. Ah, dans votre main, c'est ça que je cherchais, c'est dans votre main. Donc la dispersion ça passe pas, donc je peux pas aller au tuto. C'est ce que je voulais être sûr. Donc, non, il n'y a pas la combo avec. Il ouais, faut vraiment voir si vos deux sont vraiment forts dans la dispersion ou pas. Ça, c'est le terrain qui va avec Bulma. Fort. C'est fort, mais avec Bulma quoi. Ah bah oui. Je pense qu'on peut même passer la carte. Enfin, ouais, si ton leader est Bulma. Ouais, donc ça. Si votre leader est Baby, il gagne 10 000 puissance. Ça, c'est très fort. En vrai, pouvoir booster son leader. Si votre leader a 15 000, vous passez à 25 000. Pour combo en AP, vraiment, c'est un peu difficile. Donc, vraiment, ça, ce genre de carte, n'hésitez pas. Pour un, c'est une commune. C'est une commune, voilà, donc ça, ouais. Pour un, si vous avez le leader, vous prenez tout de suite ça. Et tu peux enlever 10 000 à une carte. Ouais, et c'est sur ça. Je sais qu'une carte ou de combat adverse, elle perd 8 000 ou plus 10 000 à l'une des vôtres. Ah, ça, c'est. Ça faut mettre. En plus, ça, c'est multifonction. Bah, si tu joues au baby, quoi. C'est pareil, t'as. C'est un leader baby, ouais. Si tu ouvres le baby, ouais, tu prends. Ça t'est obligé. La balle de Beerus. Si votre leader est rouge, en fait c'est le counterplay côté rouge, donc ça à mettre sans réfléchir si votre leader est rouge. Si une carte de combat jouée est 15 000 de puissance ou moins, elle est placée dans une zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Et si c'est sur son adversaire, je sais qu'un nouveau leader il gagne 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. C'est-à-dire que vous faites un centre de Senzu sans relever les énergies, vous faites un counterplay, et vraiment vous êtes bien. Ça vous prenez. Surtout que, ouais, voilà. C'est une Yonko ouais. Ouais, donc ça vous allez en ouvrir. Donc, et tu peux le faire en Sparking, enfin en Sparking. En... Ouais. Tu piques un peu, tu piques un peu. Ouais. Ouais, c'est à 4 points de vie. Tu le burns 1. Donc ça vous prenez direct. Ça se prend direct hein. À ne pas réfléchir. Et on a un de chaque couleur donc. Ouais, il y a un counter de chaque couleur. Ouais, je suis pas sûr. Donc ça c'est la version non SPR. Ils ont pas fait un check. Ça non, c'est beau. Je suis pas sûr qu'il faille le mettre. Ah si, il faut le mettre. Counter. Un counter player. Un 1 mec. Je crois qu'en AP tu vas remonter à 5-6 énergies, voire tour 7 même. Donc, Ouais, j'ai jamais dit tout. Et on a la particularité de la BT8, c'est l'SPR sur les cartes extra. Counterplay SPR. Eh oui, SPR. Non. On va avoir des jolis counterplay. Ah, cool. Après, ça va pimper là. Après, ce que je vais faire, c'est est-ce qu'on a droit au foil sur SPR? Parce que vu qu'on a plus de foil en BT8. Est-ce qu'il va être méchant? Je sais pas, tu vois, je sais pas. J'espère pas. Parce qu'une SPR sans foil, ouais, ce serait moche. C'est dégueulasse. Enfin, ce serait très. Descendez. Moi, ouais, je mets des guillemets quand même là-dessus. Je regarde vite fait s'il y avait un truc ouais, chat. Je regarde vite fait, mais non, je me mets des réserves. On sait jamais. On sait jamais ce qu'ils peuvent nous réserver. Inch'Allah. Un leader très très demandé, très attendu. Ouais. La C18. La belle blonde de Dragon Ball. La belle. Quand vous placez ces cartes dans vos zones de leader, donc directement, je vais essayer jusqu'à 1 conspiration de C21. Je sais pas si on va juste en dessous. On verra ça plus tard. Depuis votre deck, il est activé là. Donc en gros, ça va être un terrain que vous allez pouvoir activer. Une fois par tour, choisissez un jeton clown dans zone de combat adverse et retirez-la de la partie. Il y aura des cartes qui peuvent en rajouter, on les verra après. Vous piochez une carte, je vais essayer jusqu'à une carte de vos points de vie. T'as pas le tuto. Je suis pas le tuto. Non, mais il est à jour. C'est pas le même. Je sais qu'une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 1 et retourne dans la zone. Fin de chat. On en est où au chat? Non, la mission de Jérémy qui a parlé. Ouais, des mutes, non? Oh bah, putain, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Elle est pas jour en fait. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas eu de nouvelles choses. Ok. Il n'y a plus qu'un type spectre. C'est qui le vaillant? C'est Jérémy, là? Ah, mais c'est toi! Oui. C'est pas grave, c'est pour la vidéo YouTube. Oui. Donc là, c'est un leader. Je sais pas, ça dépend vraiment de votre construction. Si vous avez beaucoup de synergie autour d'elle, elle peut être très forte, mais le problème, c'est qu'elle va pas piocher. Si vous n'avez pas la condition qui va avec. Donc elle peut très bien vous aider comme elle peut ne pas vous aider. Qu'est-ce qu'elle fait aussi la conspiration? Et en plus quand elle s'éveille, vous devez piocher deux cartes étant donné de l'autre côté, donc vous n'avez pas de relève d'énergie. Donc pour moi c'est mitigé. L'autre côté par contre, la condition s'enlève et vous pourrez piocher à chaque attaque. Donc là on est un peu mieux au niveau de l'éveil. Une fois partout, vous choisissez un jeton clown dans la zone adverse, vous la retirez, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 1, retournez dans la main de son propriétaire. Et réduisez de 1 le coût de combo de toutes les cartes bleues et vertes dans vos zones de combat et votre main pour toute la durée du tour. Pas mal ça. Ouais. Ça peut être pas mal, mais. Ouais, c'est regarde vite fait avant d'aller plus loin, ouais. Mais au terrain. Je pense. Je
pour voir vraiment si ça vaut le coup. Je sais même pas ce qu'il fait. Je pense qu'il va être beaucoup plus loin. Moi, c'est à la fin des bleus, je pense. C'est un aspect spéciation ? Je sais plus. Non, c'est pas extra ça. Non, c'est un combat ça. Combat. C'est à la fin des bleus. Là. Extra. Respiration de son inter. C'est ça, hein ? Ouais. C'est celle-là ? Bah, je crois, oui. On va rien voir, mais. Regardez. Ah, si, si. Une photo quand votre adversaire joue une carte de combat autre qu'un jeton, elle ne peut pas attaquer pour toute la durée du tour. C'est une fois par tour, c'est-à-dire que la première carte qu'il va poser. Et c'est une commune en plus, donc vous allez sans pouvoir la toper. Il pourra pas taper. Ouais. C'est pas mal déjà. Ça va faire très mal en appel. Mais attends. Carte par carte, généralement. Quand vous jouez une carte de combat noire, vous ne pouvez pas jouer une noire. Il y a deux phases principales de votre adversaire, jouer deux jetons clones à 10 000 de puissance dans la zone de combat adverse. Donc vous lui donnez deux cartes à 10 000, mais vous êtes censé les détruire au plus vite. Donc, ouais, c'est. C'est à double tranchant, mais ça peut bloquer. Enfin, se prendre une attaque à 10 000 est plus facilement gérable quand on est d'art à 15 000. Ouais, c'est dès le début, hein. Je veux dire, lui il a son T1, il a 2 10 000, tu vois. Enfin, 3 avec son lead. Ouais, c'est pas. Ouais. C'est déjà pour un AP. Après, pour gérer le board, c'est mort. En AP, c'est mort. Non. Après, il n'avait pas d'autres cartes à côté. Parce qu'en AP, il joue carte par carte. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que ses jetons. Donc, si vous jouez contre sachant que ton leader détruit les C21. Mais pas. Tant qu'il n'est pas éveillé, il ne le fait pas. Si, un jeton dans la zone de combat adverse, c'est retiré de la partie. Mais il les retire un par un. Tu fais une carte de combat adverse avec une énergie de 1 et vous tournez normalement. Faveur, pas éveillé. Là, t'es à 15. Ah ok, je vais essayer d'ajouter un 1, c'est aussi. Tu fais aussi une carte en plus. Sous une carte de point de vie, je te mettre à 1. En gros, tu fais un plus 2. On va dire ça coûte 1. Ok. Après, faut le terrain qui va avec. Comme ça, sachant que ouais, c'est pendant ton tour. Quoi. Alors, donc, elle va chercher aussi le même terrain. Donc, vous choisissez un jeton, elle va tirer la partie. Je sais pas comment. Elle vous permet à chaque tour de vous relever une carte multicolore bleu-vert. Donc ça peut être même mieux si vous avez les énergies qui vont avec. Nouvelle combinaison de couleurs aussi, bleu-vert. Ça, je trouve fort, ça va être fort. Hein. Bleu-vert quoi. Ah, rouge et jaune aussi, moi j'attends ça. Là ce qu'il y a de fort, c'est que vous piochez une carte, vous allez pouvoir choisir une carte adverse avec un coup d'énergie de 1 dans votre propriétaire au début de la partie principale, suivant votre adversaire, je suis une carte multicolore bleu vert, vous relevez. Ça vise que les 1, donc je sais pas, je suis mitigé contre elle. Les deux leaders là, c'est vraiment si vous avez le terrain, une grosse synergie, ouais, pourquoi pas, mais c'est trop. C'est pour du construit, hein, ces deux là, je sais pas. On a PO, chez moyen. Le Kaioken offensif est acharné. Donc généralement, quand c'est Kaioken, c'est fort. C'est signe de très fort. Ça brille pas, mais là. C'est une commune, donc on va voir ce qu'elle va donner. Choisissez une ou deux cartes de vos points de vie et ajoutez-la à votre main. Donc ça a un burn PV, c'est pas mal. Quand vous jouez cette carte, elle gagne 5 piles de puissance pour toute la durée du tour. Okay. Au début de la phase principale de votre adversaire, choisissez jusqu'à une de vos énergies et passez la mode action. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça vous permet de piocher deux dans vos points de vie. Nunko, ouais. Ça passe à 20 000. Ça permet de s'éveiller. Ça relève 1. C'est pas mal. Ouais. Si vous jouez bleu, vous la prenez. C'est moyen. Je pense qu'il faut la prendre. C'est moyen fort. Ça se prend. T'as pas la grosse priorité pas, à choper, pas mais. Pas à 4. Pas ouais, à 4. Peux, ouais. Mais... C'est une commune, donc. Bon. Alors 4 ça veut dire, mais ouais. Mais bon. Sangoku le sauveteur. Nous sommes sur une 15 000 aussi, pour 3. Que ce carte de combat retourne dans la main de son propriétaire. Il a une capacité. Vous pouvez le sauter depuis votre main. Donc là, il va falloir du renvoi de main. 35 cartes sur une dispersion de son page. C'est une carte de combat bleue avec un coût d'énergie de 3 au moins, ou jusqu'à une carte de combat. Ouais. Ouais. Pas fan de ça. C'est pareil, c'est comme le rouge en fait. Ouais. Sauf que là, au lieu d'envoyer 5000, vous renvoyez des cartes en main. Donc ça peut être pas mal, parce que mine de rien, elle coûte que 5000 pour combo, donc on l'a facilement en cimetière. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez choisir jusqu'à une nouvelle carte de combat bloc avec une énergie de 3, ou jusqu'à une carte de combat adverse avec une énergie de 3 au moins et retourner la main. Par contre, contrôler un peu le board, c'est quand même pas mal. Ça permet de ralentir un peu. Ça ralentit, moi je le mettrais. En AP, ouais, quoi que si en AP ça peut être pas si mal. Si en AP, hein. T'attaques avec ton leader, tu combo, puis l'autre c'est tu au cimetière et tu le renvoies en main. Tu le... poses un gros ton. Ah, c'est 3 au moins par contre. Ah, c'est 3 au moins. Donc les virus critiques par exemple, tu peux les virer. Ça peut faire plaisir. Les virus critiques. Ok.
Ouais, tu vois, le mot critique, tu vois. Je vais x10. x10, tu sais quoi, je vais les piquer. Je pense qu'il va falloir signer les cartes là pour le stage de. Alors, le Sangwen Technique Suprême. Une 10 000. Choisis sage ton clone dans la zone de combat adverse et retirer de la partie. C'est quelqu'un de 10 critique. Aïe aïe aïe. C'est la même. x4. x4 avec ses 21 ou ses 18. Direct. x20. Ça met. Oui. Obligé. Seulement que les leaders peuvent pas. Sinon, c'est nul, malheureusement. Mais sinon, de jouer leader. T'as pété là? Non, c'est mon ventre. Si tu veux, oui, j'ai envie de péter, mais déjà je les retiens. Du coup, ça me remonte, tu vois. Je me retiens, je suis en fait. Fais attention à ton petit nez. Très fragile, monsieur. Il est bouché. Si je veux manger du wasabi. Ah, c'est bien. Sangwen appelant à l'aide. Il appelle à l'aide. Mais ce qui. Souvent, il appelle à l'aide. Non, quand il est petit, il est un peu chiant, il perd tout le temps. Piccolo arrive, il lui met une claque, Zarpa. C'est ça, c'est parti. Il mange un steak de dinosaures, on est parti. Alors, quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un Sangoku bleu ou vert, ou jusqu'à un Piccolo bleu ou vert parmi elles, et rajoutez à votre main, puis mélangez votre deck. Donc, ouais, pareil, c'est un tuto. Si vous avez le Goku et le Piccolo, pourquoi pas. Ouais, sachant que, comme je vous le disais, le sur deck est à 40. Cartes, ça permet de l'avoir à coup sûr, quoi, quasiment. Mm. Enfin... Le Vegeta Technique Suprême. Celle-là, je suis triste, parce qu'en vrai, en foil, elle doit être magnifique. Très belle carte. Pour moi, c'est une simple commune, mais en foil, elle aurait été magnifique. Ouais, j'avoue. L'artwork est vraiment très joli. On va l'acheter aux US. Ouais, je pense que je vais craquer. On n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une fois par tour, choisissez un jeton clone, retirez la partie, elle gagne 10 000 de puissance et double frappe. Tu vois tout l'intérêt de jouer. Une 20 000 double, tour 2. Si vous avez les dors bleus, c'est juste ouf. Je pense que finalement, plus je me regarde, plus je me dis qu'en AP, si tu topes le bleu, c'est. Bleu, ça je dirais pas God tier, mais. À part les deux leaders, mais bon, quoi. Mais vu les cartes là, ça. Ouais. Non, ça reste un bleu. Le tour 1, t'es même, mais tour 2, tu enlèves un par ton leader, tu fais tes effets avec tes. Ouais. Avec tes petits bleus là, et. Ouais, c'est bon. Et tu défourailles, tout simplement. Tu casses des gueules. C'est fort. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est seulement. Ah, c'est la question principale, donc chaque tour en fait, qu'il le récupère. Non, vraiment, c'est. Si jamais l'adversaire vous les gère pas, à force. Totalement. Et là, on est encore sur de la commune. Hein. Commune. Commune, celle-ci. Hein. La double 20 000. Ça fait plaisir. Ok, on est bien. Bon. Petite préférence pour le bleu pour jusqu'à maintenant. Ouais, c'est pas... Oh, le rouge, Beerus aussi nous dit bien. Ah, toi, le rouge, ouais. Moi, je tirerais entre Beerus et le bleu pour le tableau. Rouge. Ouais, je vais un bleu rouge. C'est ça. Un bleu rouge, monsieur. On n'a pas vu le reste, les mecs. Ouais, attendez, le reste. Ça arrive. Tu vois le baby. Ça arrive pas mal. Hein, Bloqueur pour le Krillin. Qui coûte 2 pour un 5 000 bloqueur et qui s'est fait pendant votre tour, je sais jusqu'à un jeton clone dans votre zone de combat, enfin dans la zone de combat adverse et retenez la partie. Quand vous utilisez une combo avec cette carte, je sais jusqu'à une C18 attaquante. Alors je rappelle bien, je sais jusqu'à une C18 attaquante, pas carte de combat, attaquante. Le leader. Le leader, et la carte double frappe. C'est-à-dire que pour 2, vous pouvez jouer un bloqueur, que si c'est votre tour, vous détruisez un des deux jetons qui ont été créés. Et vous faites un combo avec S depuis le terrain, du coup. Mais là, un de combo. Donc pour 3. Ouais, donc pour 3. Et vous êtes double à votre laser. Et pendant votre tour, vous pouvez payer 1, donc toujours pour 3. À la fin du combat durant lequel vous avez effectué un combo avec cette carte. Donc ça fait 4. Oh là, c'est cher. Jouez cette carte, mais comment ça, jouez cette carte? Sur une C18 en combat, jouez cette carte, ouais. Donc en gros, ouais, pour. Ah non, mais en fait, tu la joues pour 1. T'as joué pour 1, c'est ouf. Ah oui, t'attaques avec C18. Non, tu combo 1 pour son effet, bleu pour l'auto qui s'active. C'est-à-dire que tu combo avec pour elle. Deux, tu la joues pour 2. Pour 2, tu donnes double et elle vient sur le terrain et t'as un bloqueur. Et pendant que tu combo, tu pètes un truc. Et... Non, c'est fort. C'est fort. C'est fort pour 2, c'est chambre pas. Il arrive en jeu, c'est un bloqueur. C'est la chambre pas de la paix, c'est pas mal. Moi, je la mettrais. Si je l'aurais, je la mettrais. Si j'ai le leader, c'est 18 évidemment. Krillin le rusé, le rusé. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Celle-là, ce serait stylé en fait. On a le petit cheveu. Ouais. Ah, le petit effet brillant sur le petit crâne. C'est bon, hein, c'est... Passez une carte de vos sources d'énergie en mode action, avec la capacité d'une carte de combat ou une carte extra, ne peut pas la faire à moins de choisir 5 cartes. Ouais, c'est le bloc. Non, passez. Moi, je jouerai pas. C'est la même que la rouge qui permet de bloquer le rêve d'énergie, on n'aura pas. Kamé Séné, donc un autre chauve. Magnificence du maître.
Choisissez une carte multicolore parmi vos 100 énergies et retournez dans la main de son propriétaire. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, choisissez une carte de votre main et rajoutez votre source d'énergie en mode. Ça, en AP, ça peut être pas mal. Si vous avez beaucoup de multicolores et que vous hésitez à devoir les mettre en énergie, ça vous permet de les recycler pour 1. Puis c'est une rare, bon. On risque de la... Et vous pouvez la jouer pour 1 et faire une combo après, que quand on lit bien, choisissez une carte multicolore et vos 100 énergies sur votre propriétaire. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, non, tu peux le faire depuis la main en fait, l'auto. Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a cette phase au début. Je pense qu'il faut l'avoir sur le terrain en démo. Je sais pas, hein. Je pourrais poser la question à un judge, mais il me semble qu'il va falloir l'avoir au début en main en fait. C'est que quoi? Quand tu fais un combo avec cette carte, tu essaies une carte d'autre en main. Il y a ça qui est au début. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça au début. Est-ce que c'est encore une erreur de traduction ou pas? J'essaie de faire mieux aux sources d'énergie et retourner dans votre propriétaire. Ou est-ce que c'est le coup d'activation? Je sais pas comment c'est tourné. C'est un auto. Je sais pas. Bonne question. On essaiera de rechercher ça et on vous redira ça en commentaire plus tard. C'est des substitutions d'éclairs. Donc pour 1, 4000 encore, quand vous jouez cette carte, vous avez jusqu'à 5 cartes de votre deck, je sais jusqu'à un Android bleu ouvert parmi elles, ajoutez à votre main. Donc un tuto Android, si on a même plusieurs, pourquoi pas. Quand vous jouez cette carte avec ses capacités à la fin du tour, vous pouvez choisir une carte multicolore bleu vert comme source d'énergie retournant dans la main sur propriétaire. Ouais, pareil, c'est la même cave en fait. Qu'on avait vu comme quoi qui permet de rechanger vos énergies. Donc si vous êtes du bleu vert, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pas une grosse priorité. Non. À moins que vous ayez beaucoup d'endroits que vous voulez vraiment aller chercher, que c'est vraiment la finalité de votre deck, mais pas une priorité. On espère. Là, voilà. Là, voilà. Laisse les gîtes de partout. Ok. La seule et unique. C'est 18. C'est 21, la meneuse. Votre leader est en Android toujours. Quand vous jouez sa carte, piochez une carte. Afin de tour sur votre adversaire, vous jouez un jeton clone avec 10 000 puissance dans une combat. Donc vous le rajoutez un jeton. Et si pour un bleu vert, votre leader est en Android, choisissez une conspiration sur votre. Ouais, c'est pour récupérer en fait le terrain et leur mettre la dispersion. Non, ouais. Moi je passerai. On a payé. On a payé, non. Rajouter un jeton, c'est pas ouf. Ah, le portugais. Freezer, le portugais. Le portugais, là. Le meilleur. Tiens, il est pas costaud pour eux. C'est sûr. Choisissez deux jetons clones dans la zone de combat de l'air, donc la 2 direct, et retirez la partie. Jouez sa carte depuis votre main. Gratuit. Deux, il fait pas ça. Il a deux mains. Rigole pas. Ouais. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 3 au moins et retournez dans la main de son propriétaire. Ah, je veux dire, vous mettez KO. Non, même pas. Voilà. Ça va, il est gentil. Ouais. Retournez dans la main. Ça, ouais, ça elle peut jouer gratuitement avec deux jetons. Moi, je prendrais. Tu joues le terrain, elle a deux jetons. Elle a combien? 20 000? Ouais. Donc, toi, t'arrives à ton tour 2. C'est une commune, tu la joues direct. Ça, vous avez la joue direct. Ouais, ça se joue. Donc, 15 000, tu peux arriver au terrain. Ouais. Ça, ça se joue. Napa, Skilless, 1-10 000, ça se joue. Enfin, 10 000, ça se joue direct. Ginyu Technique Maléfique. Super combo. Ah, c'est super combo, on passe. Celle Technique Maléfique. Coucou, critique. Oh, ça, tu prends. Je sais 3 jetons clones dans un combat adverse, que tu es la partie, je sais 4 depuis votre main. Commune en plus. 15 crit, direct. Ah, celle en crit. Ouais, ça fait plaisir ça, tiens. C'est quand même 3 par contre, faut 3 jetons. Faut 3. Ouais. Ça se fait. Ça se fait. Ça se joue. Si vous avez les dendrites, toujours. Hein. Le docteur Willow, rayon de la destruction. Bloqueur d'effection. Pourquoi pas? Écoute 6 quand même. 6, pour une 25 000. Un AP, ouais. Quand vous jouez ces cartes, essayez jusqu'à placer ces cartes du dessus de votre deck sous un laboratoire. Je vais jusqu'à 6 cartes dans vos zones de dispersion, placer sous un laboratoire de Dr. Will dans vos zones de combat. Une fois par tour, quand vous activez la capacité de bloquer cette carte, passez dans mode action. Ouais, ça vous permet de bloquer deux fois à 25 000, c'est quand même fort. Mais après, le but de la paix, c'est de frapper. Par contre, c'est une SR. Hein. Ouais, donc ça, bon, pas sûr de la dropper. Si vous l'avez, pourquoi pas. Ça se joue. Ouais. Mais même ça. Ouais, si, ça reste quand même 25 000, mais elle frappe. C'est pas une priorité, mais bon, vous dites, ouais, pour 6. Pour 6, c'est ça. On risque d'y aller. Donc. Ouais. Enfin de deck, s'il reste encore. Donc, le fameux terrain qui va avec. Okay. Vos cartes de combat ne peuvent pas être passées en mode inertie avec capacité adverse. C'est cool. Et vous ne pouvez utiliser que capacité de carte bleue ou verte pour passer des cartes sur cette carte. Elle ne peut pas quitter la zone de combat avec capacité adverse. Choisissez une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 4 ou moins et placez-la sur cette carte. Pour 2, ouais, c'est pas mal. Pour 2, c'est pas mal, ça contrôle trop bien. Mais écoute, si ça se met par contre le terrain.
T'as pas une connexion pour le mettre? Gratos, ça. Quelqu'un, je sais pas quoi. Ah, t'as un idée. Regarde. Le conducteur. Non, le terrain, non, la conspiration. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, on pourra passer. Alors, vu la prochaine carte, je vais essayer jusqu'à un volume d'air qui s'accumule de puissance jusqu'à la fin du tour sur notre là. Ouais, c'est cher ça. C'est cher pour ce que c'est. Gagner 5000, c'est fort. Piocher, c'est fort. Mais pour 3, c'est pas fort. Pour 3, ouais. Elle aurait coûté 2 la rigueur, j'aurais dit oui. Mais 3, c'est trop. Ça, ça sera jamais joué. Même en construit, ça sera pas joué. Non. Ouais, avec le ramp, tu peux. Ouais, c'est pas mal quand même de piocher et donner 5000 à ton leader, mais même, c'est. Beaucoup c'est trop lent. Cher. Nul à chier. Ouais. Le counterplay, bah, comme on disait, le counterplay doit être joué. Voilà. Si vous avez la couleur, gros, si le leader est bleu. 3 au moins. C'est même que le rouge, mais 3 au moins. C'est pareil. Ouais, le c'est rouge, pareil. C'était 15 000 au moins. De nouveau, la SPR au counterplay. Ça va pimper le deck. Ouais. Et c'est voté un être très bien. Est-ce que moi, de folle, on verra. On espère bien. Inch'Allah. Le Goku Kaioken. Ah. Quand c'est un leader direct, une fois par tour, quand vous avez la capacité résurrection d'une de vos cartes de combat, piochez une carte. Ah, vous pouvez piocher deux pour que potentiellement, c'est très fort. C'est très très fort. Leader avec des chocolats. Ouais, lui un va en découvrir. Ah, lui, lui va en découvrir. Ah, il va en découvrir. De toute façon, Kaioken, c'est signe de puissance. Hein. Ça, c'est... Et son éveil, c'est vous piochez une carte, vous choisissez une énergie, vous la relevez. Ça reste bien. Il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a la pioche. Vous pouvez avoir une double pioche. Et ça, c'est la version normale. Donc, l'éveil, vous piochez son attaque. Quand vous activez la possibilité de résolution, vous piochez deux cartes. Donc, possiblement plus 3. Donc, ça, c'est très, très, très fort. Choisissez une carte de vos combats multicolore bleu-vert en mode inertie jusqu'au début de vos phases principales suivantes. Si la carte choisie est en mode inertie, les cartes adverses ne peuvent pas attaquer les leaders. Attends, c'est là en inertie. Les cartes adverses ne peuvent pas attaquer. Ouais, ne peuvent pas attaquer. Et donc, elle reste en inertie, quoi. Donc, ouais, comme le Goku défense implacable. Ouais, c'est tellement fort. Ça permet. Voilà. Je suis en train d'avoir des idées de bleu-vert tellement fort. Oui, oui, oui. Après, il demande des leaders bleus, donc le leader implacable ne verra pas dedans, mais. Tu disais quoi? Quand il est en inertie, tu peux pas attaquer les leaders. Tu choisis une des cartes bleu-vert, tu as pas inertie, en fait, l'adversaire ne peut pas attaquer du tout. Ton leader. Le leader, ouais, leader, leader. Il va falloir qu'il frappe ton bleu vert avant. Et qu'il lui roule dessus pour. Donc c'est un bleu vert qui a plus de 25 000 de puissance. Et il y a moyen de faire des choses sales. Hein. Contre un. Pareil, contre un. Une victory, quoi, aussi. Ah oui, complètement. Carte de side, dans tous les cas. C'est le leader, mais oui. Oui, enfin, c'est... On construit, hein, pas en AP, mais. Mmh. Docteur Willow et Docteur Cochin. Quand je sais qu'elle pose le leader, je sais qu'un laboratoire de Dr. Willow. Ah bah tiens, c'est lui qui pose le leader. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait. Ouais. Quand ce cas t'attaque un leader, regardez jusqu'à 7 cartes de votre deck, choisissez jusqu'à un guerrier forcené parmi elles et ajoutez à votre main puis mélangez votre deck. Ah, ils ont traduit ça en forcené. Quand vous avez 4 sources d'énergie. Ah, 4 sources d'énergie ou plus, où vous êtes à le point de vie de 3 ou moins, où vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie et le passer en mode action. Il y a 3 ou moins. C'est bizarre. C'est très tard. Moi je jouerais pas. Rien que pour ça, rien que pour l'éveil. Ça me rappelle la BT6 avec le Bojack qui faisait rien à son éveil. Si, c'est sauf si éveillé, il fait rien, mais. Éveillé quand sa carte attaque, piochez une carte, faut partout choisir une carte de votre main et passer dans une zone de dispersion. Choisissez une capacité clé d'une carte adverse et annulée pour toute la durée du tour. Il y a 17 cartes ou plus sous le laboratoire dans la zone de combat, vous remportez la partie. Nul. Ouais. Nul. En AP, il faut trop de cartes autour, voilà, faut trop AP, construire et c'est. Même pas la peine. Next. Partez pas là-dessus, hein, sinon vous ah oui, allez boire une bière et. Fouette. Tu drops. C'est ça, tu drops direct, tu drops tes cartes, ça rien. Là, les slips Gogeta pourraient dire au revoir. Pour le kiff ou. Ouais, pour le kiff. Sengoku se préparant au combat. Pendant votre tour, choisissez un champ clown adverse. Quand vous faites une combo avec cette carte, c'est quelqu'un à 5000 de puissance de combo. Pour faire le... Ah, c'est comme les Golemites. Ouais, 5000 et 5000. Ouais. Ouais, c'est un Golemite. Bah, d'ailleurs, c'est vert, ça peut rentrer. Mmh. Bon, après, bah, il n'y a pas la place. Mais là, faut niquer un jeton pour le faire. Tu niques un jeton et ça fait la Goliath. Quoi. C'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est fort. Si tu un coup de zéro, moi je le mettrais. Mmh. Si vous avez effectivement le Dark qui... ouais. Et puis le mec, il va trouver des solutions.
C'est une carte multicolore de source d'énergie, réduisez de 2 le coût, donc elle passe pour 1. Choisissez un extra rouge ou vert avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck, placez-la dans une zone de dispersion, puis mélangez votre deck quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Sartek. Ouais. Pour 1, tu mets un extra au cimetière. Ouais, je suis pas fan. Trop de restrictions pour la jouer. Peu de communes. Ouais, non. Moi, je passerai next. Pas en appel. Pas en appel. Gotenks technique expiègle. Un petit Gotenks vert. Ouais, ça peut renverser le deck Gotenks, c'est pas mal. Pendant tour, je sais jusqu'à jeton clown dans la zone de combat adverse quand tu as la partie. Quand vous sélectionnez une combo cette carte, piochez une carte. Un super combo qui coûte rien. Vous avez pas des sons de jetons. À mettre sans hésiter aussi. Ouais. La pioche, c'est pareil, c'est ce que tu dois le jouer pour faire ça. Bah, il dit juste. Ouais, c'est bizarre. Je pense qu'en vrai, ouais, t'as besoin de le jouer. Hein. Je pense. Je pense qu'il faut le jouer. Il faut faire le combo du T, je sais pas. Il dit pas depuis le terrain, c'est bien. Ouais, vraiment qu'on se renseigne là-dessus, ouais. Sur la traduction d'elle-même. Piccolo technique des Namek. Un bloqueur pour 2. Je sais un jeton clown dans la zone de combat adverse. Et retenez la partie, jouez cette carte depuis votre main. Non, donc du coup, comme on s'est dit, effectivement, t'as pas besoin d'avoir sous le terrain. Ouais, c'est vrai. Sinon, elle a aucun sens. Donc, ouais, en fait, tout ce qu'on se disait avant, effectivement, c'est. Il faut pas que ça soit sous le terrain. Du coup, Créon devient fort. Pour 1, comme on disait, du coup. Là pour 2, quand même. Ouais, tu payes 1 et l'auto et un bleu. Et un multicolore. Enfin, un incolore, excusez-moi. Je pense que le deck certain, il y a moyen de faire des choses sales. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de cartes différentes, il y a vraiment des choses à faire. Piccolo gardienné déflexion. Bon, il avait 4 de base, donc il n'était pas touché par les contres mises en jeu de la BT8 actuellement. Lien 3, quand je joue cette carte, choisissez. C'est un lien 3 de quoi aussi? De n'importe quoi. Quand c'est écrit lien 3, c'est n'importe quoi. Ah, donc il faut juste avoir 3 cartes sur le terrain. 3 cartes sur le terrain réel, je crois qu'elle se compte. Votre adversaire choisissez 2 cartes. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et passe sous votre laboratoire. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et transforme dans sa dimension parallèle. Comment 3 quarts de sa main, elle est mis en dimension parallèle. 2. Ah, mais bon. Ah, c'est fort. Hein. C'est fort, mais ça se joue à 4. Ouais, ça se joue tard. Mais c'est quand même un 5000 de combo, de repère des cas. Après, franchement, t'es en AP. Hein. Ouais. En AP, tu vas y aller facile à 4. Enfin, même, il dira plus. À 4, t'as pas, normalement, t'as pas énormément de cartes en main. Hein. Puis à 4, t'as plus trop de cartes. Au tour 4, t'as plus trop de cartes en main. Ouais. Tu niques ces deux dernières cartes. Faut un lien 3, donc faut faire sauver tes cartes. Mais mine de rien, ouais, ça coûte 4. Au pire des cas, c'est un combo à 5000, donc vous payez pas pour vos défenses si vraiment vous n'avez pas besoin au tout début, ça se prend. Ouais. Alors, Yamcha, c'est la même chose que les autres, on va la passer. Ouais. Au long, bon bah, ce qu'il laisse. Un Dimi, tu prends. Le Berus, la licence divine. Qu'est-ce qu'il fait? Quand sa carte se passe en zone de dispersion, depuis votre main, j'ai une capacité. Ah oui, c'est celui que je voulais jouer dans le Broly BT1, justement, faire des choses sales. En gros, à chaque fois qu'il y aura une destruction, vous pourrez le jouer depuis votre main, tout simplement. Quand une carte est mise KO. Ouais. La clé dispersion. C'est ça. Parce qu'elle passe dans vos zones de dispersion depuis votre main. Une capacité de carte de combat. S'il n'y a pas de Berus en jeu depuis votre zone de combat, vous pouvez laisser la carte depuis votre zone de dispersion. Directement. Donc c'est pas mal, mais il faut vraiment avoir ce qu'il faut pour. Ouais, il faut jouer autour. Ouais. Et puis c'est une rare. Ouais. C'est une rare, donc c'est chou. Bon, on a payé. Ouais. Bon, on a payé, prenez pas. Sinon, en vert, attends. Transpassez cette carte depuis votre zone de dispersion de votre dimension parallèle. Enfin, dans votre dimension parallèle. Choisissez une carte de votre main et placez-la dans vos zones de dispersion. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 3 à 3 au moins et mettez-la KO. Ouais, c'est beaucoup pour. En gros, pour 1, tu détruis une carte de ta main pour transférer une carte 3. De 3 au moins. Ça peut être pas mal au tour 1, mais. C'est seulement pour gérer vraiment la critique, ils font vraiment mal quoi. Je la mettrai quand même, je pense. Par défaut, si vous avez vraiment rien. Limite entre par exemple une skillless ou lui, autant mettre lui quoi. Oui, oui, c'est mais... pas faux. Super con. Ah, ça, pas ça gère toujours une carte. Donc. Alors, oui, cette technique d'objet coûte 2, c'est pas mal. 2 pour 15, c'est quand même fort. Quand vous cherchez c'est une carte de combat adverse avec un point d'énergie de 2 au moins, mettez un KO. Donc, ouais, pourquoi ça, pas. Ça, tu mets direct. C'est une carte multicolore bleu vert par exemple, vous sauvegardez. Quand je sais que c'est une carte de combat verte autre que cette carte de toute façon, pioche une carte. 100%. Si vous avez pas mal de vert, 100%, vous la mettez. 2, elle fera 15. On permet de piocher une fois partout. Une KO, donc. Elle met une KO à 2. Vous en aurez. Peut-être une ou deux avec un peu de chance. Ouais, ça, ça ici, c'est du vert, ouais. Ça se met. C'est 21, l'idée de Johnny. Attends, c'est quoi les conditions pour piocher? C'est une carte multicolore bleu-vert dans tes sources d'énergie. Quand vous jouez une carte de combat verte autre que cette carte-là, si tu rejoins un vert à côté d'elle, il faut jouer bleu vert. Chaque fois. Ouais. Si vous partez là sur bleu-vert, pas de soucis. Quand vous jouez cette carte
Activer cette capacité à la fin du tour. Jouer deux jetons clones. Ouais, en gros, tu remets deux jetons. Choisissez un jeton clone dans la zone adverse de la partie. Choisissez une carte de combat adverse et mettez-la KO. Il n'y a pas de restriction, donc ça c'est très fort. Choisissez un de vos leaders ou une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne 10 000 de puissance et coup critique. Pour 3. Bah, on prend. C'est ça. Oh, Surtout ouais. pour 3, vous pouvez gérer n'importe quoi. Ouais. Bon, Ah, mais sans réfléchir. c'est une rare, mais bon, j'en aurais peut-être une. Il faut qu'il y ait un jeton, quoi. Il faut qu'il y ait un Sinon, jeton je de fais rien. base. Ça, avec le leader, oui, bah, pareil, leader 2, faut les mettre, quoi. Je sais pas si on a fait, si. Je sais pas. La paix, ouais. Tu mets 2 10 000 gratos, ce gars, il te frappe, Je sais pas. Alors. À voir. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Choisissez cette carte, une carte verte de votre main, placée dans une dispersion au propriétaire. Quand votre adversaire attaque une carte, annulez l'attaque. Ouais, en gros, pour 1, vous allez vous cramer 2 cartes pour faire un contre. Ça peut toujours être fort. Oui, on a payé. C'est de la paix, moi je la mettrais. Si t'as pas de. Ouais, souvent, Ça t'as reste un pas. contre, les comptes, c'est Oui, ça fort de la reste un paix. compte, donc il faut. Le docteur Cochin. Donc vous pouvez avoir un seul docteur Cochin dans le souterrain et réduisez de 1 le coût de tous les guerriers forcenés dans votre main. Quand vous jouez cette carte, vous avez jusqu'à 7 cartes au-dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un guerrier forcené parmi eux. Oh, c'est le tuto en fait. Ça, c'est du construit. C'est pas pour de la paix. Et après, tu choisis jusqu'à un guerrier forcené dans votre main qui a connu l'archer de 2 au moins et jouez là. Ça dépend de la construction Ça dépend. de Ça, votre ouais, deck. Ouais. voilà. Si vous avez des forcenés. On arrive à 4 sur 8. On arrive à la moitié des cartes. Alors, Kishim Armivore. Quand vous jouez cette carte, placez la carte Trop dessus de chaud. votre Trop deck. chaud. Ça, c'est pour le laboratoire. Laboratoire. Des rats de laboratoire. Super combo. Bloqueur. Quand vous activez la capacité bloqueur de cette carte, placez la carte dessus de votre deck. Sous un laboratoire. Ouais, ça se joue contre le laboratoire. Il est moche. Iso Katou. Katou. Commune. Ok. Ouais. Bon. Bioman. Wow, Bioman, bien. le On réveille l'enfant en nous. Quand vous jouez cette carte, vous allez jusqu'à 7 cartes au-dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un Docteur Willow ou jusqu'à un Docteur Cochin parmi les ajoutés à votre main. C'est un tuto pour les docteurs. Ouais, je suis Commune, pas bon. fan. Non, on a Créateur payé. d'Android, peut-être un moteur. Choisissez un jeton clone dans la zone de combat adverse, reste de la partie. Puis une carte, choisissez une carte de vos cartes de combat. Elle gagne 10 000 de puissance. Un 10 000. Et c'est Ouais. quelle carte de combat? Tu pioches. Ouais, tu Ouais. pioches. Si, C'était une ça se crit, c'était met, une ça loot, se met, tu vois? ça se met. Non, ça se met. Ça se met. Ouais, c'est quel clone. Quand vous activez cette carte, vous pouvez activer votre dernier tour de dos jusqu'à 5 cartes sur votre deck. Jusqu'à un Docteur Willow, jusqu'à un Docteur Cochin, parmi les ajouter votre main, que votre deck, soit ajouter une carte à votre main, choisissez jusqu'à une de votre donnage. Ouais, ça coûte les docteurs, c'est très hasardeux. Alors, un souhait vert. Votre leader vert, choisissez qu'un Docteur Willow qui a un code d'énergie de 4 ou moins et donc une personne est jouée là. Toujours le Docteur Willow. La contre-mise en jeu. Verte. Verte, ouais. C'est quoi? C'est C'est quoi la 3 mois? condition? 3 mois, Ouais, comme la bleue? Comme ouais. La SPR. Elle déboîte, gros. Ah, 100% est magnifique la SPR. Ah vache. Il faut en foil ça. Elle est stylée, hein? Il faut en foil. Ah, petite pan, gros! Sangoku et pan! Boum! Ah, leader pan. Tu sais que j'avais Qui dit devient pan. Goku 4. Donc c'est le moment du film où il perd sa raison. Choisissez deux cartes de vos points de vie, ajoutez à votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat avec double frappe pour toute la durée du tour. Il est pas là pour rigoler. Ouais, tu mets ça sur une petite critique là, au calme. Un petit virus rouge. Oh, C'est ou un petit parti. truc, ça. Oh, Un un petit petit truc. crit, ça. Oui, on Prends construit, 3 mais trop non, on a PV. payé. Il pète quoi. Ça pète, messieurs. Il a craqué la chaise, je sais pas. Il tape les deux en même temps, j'ai Les craqué la deux, chaise c'est et. les deux. Il a fait craquer la chaise pour Ouais, clac! simuler Le petit pet, le petit pour faux, ouais. rendre Anton heureux, tu vois. J'ai Le mis un petit peu à faux, ouais. boucher ça. Quand vous êtes de points de vie de 2 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes, laisser jusqu'à 2 de vos sources d'énergie et passer en mode action. Plus 2, 2 relève PV 2. au moins. Oh, Par c'est contre, c'est 2 chaud. PV en moins. Ouais. C'est tard, hein. En AP, moi je mettrais pas. Tu passes pas la carte en action. Hein. Ouais, c'est pas comme Baby. Par contre, là, tu brûles 2 points de vie par tour. Donc, tour 2, tu Tu peux. peux. Non, tour 3. Tour 3, tu l'éveilles. Oh, si on t'attaque Si deux t'attaques pas entre cartes. temps, ouais, tu peux faire tour 2, mais c'est ultra risqué. Après avoir des doubles frappes directes, Alors, il va falloir un gros sévère, hein, je te le dis. Ouais.
Si vous partez là-dessus, ouais. Bah, faut voir. Hein. Et de l'autre côté, il a double frappe directe, et une fois par tour, choisis encore une carte de tes points de vie, en sachant que tu pourrais faire deux. Et t'es mort. Tu fais une, tu passes à un. Ça, c'est un leader pour taper. C'est le deck. Et tu passes cette carte en mode action. Celui-là, faut taper, gros. Tu vois? Tu cherches même pas. Là, tu mets même pas de compte dans le deck. Tour 2, si t'as pas gagné, t'as perdu. Bah, le deck en lui-même est sympa. Tu concèdes. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un truc sympa à faire. Ah non, mais le deck en lui-même, il est fort. Si tu t'amusais à avoir une double frappe à tour de rôle. Je pense que ça. Super baby. Donc, ça, c'est pas le leader que j'aurais dans mon deck baby, mais il est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Une fois par tour, choisissez deux cartes de vos points de vie et rajoutez-les à votre main. Choisissez jusqu'à trois cartes au-dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un baby ou jusqu'à un sous-contrôle parmi elles, rajoutez à votre main. Puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Quand vous avez le point de vie de 4 ou moins, vous pouvez piocher deux cartes, tourner ces cartes de côté. Pas d'enlève d'énergie, je suis moyen pour. Quand la puissance du leader adverse est réduite à 0 ou moins, cette carte acquiert très offensif pour toute la durée du tour. Une fois par tour, tu choisis un de tes sous-contrôles, dans ta main, tu la joues. Par contre, tu peux jouer tes sous-contrôle, donc c'est pas mal. Donc, tous les ouais. Gotham qu'on avait vu au tout début, ça peut, mais il faut la condition de mettre à zéro le leader adverse pour votre trio offensif. Donc, ouais. Moyen en plus, il pêche pas à l'attaque. Ouais, hein. Ça se fait, je pense. Il pêche pas à l'attaque. Il pêche pas, ouais. Tu perds ton CA, c'est très fort. Enfin, c'est, ouais, c'est, ouais. C'est très nul. C'est très, ouais, très nul. Ouais, c'est très nul. C'est la c'est très fort pour l'adversaire qui va se dire qu'il attaque pas, tu vois. Trop fort, c'est dur. Sengoku voit vers la divinité. Bah, bon, peut-être pas en AP, mais. Quoique. En gros, tu passes cette carte dans ta zone de dispersion, tu choisis un Sengoku, Sengoku, ta Trunks, Videl. Dans zone de dispersion, dans ton. Ah, c'est celle qui recycle les 5. Et Videl, tu remets ton deck. Tu choisis un Sengoku multicolore rouge jaune avec un coup d'énergie de 3 depuis votre deck ou ta main. Et tu la joues, puis tu mélanges votre deck. La carte au combat jouée acquiert double frappe et réplique. Donc la carte à jouer, c'est un Goku rouge et jaune. Le BT8 là qui a crit et 20 000. Ah oui, j'ai le god divin qui se voit. C'est ça, donc t'as double crit réplique à 20 000, c'est fort sympa. Très fort. Et en plus, c'est vrai, c'est ton deck. Mais est-ce que t'es obligé qu'il y ait un Gohan, un Goten, un Vegeta, un Trunks? Tu sais, un Goten, un Goten, un Vegeta, non. Un Trunks. Ah si, c'est obligatoire. Ah si. Oui. Ouais, il dit bien présent cette carte. Tu l'as pas dans la zone de dispersion. Tu choisis un Goten. Un Gohan, ouais, un Vegeta, un Trunks et un Videl dans votre zone de dispersion, ouais, et retourner dans votre deck et choisir ce qu'il y a un Goku multicolore. Du coup, faut. Allez. Ouais, il faut un strike. Je pense qu'il faut tout. C'est pas justifié, hein. C'est choisi, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est pas où. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est. Mais il dit. C'est 2 points, choisissez. Tu vois? Est-ce que c'est. Ouais, je sais pas, faut qu'on. Ouais. Faut s'enseigner. En tout cas, s'il faut tout, c'est pas si fort que ça finalement. Tu en AP, ouais, c'est pas ouf. Ce serait pas ouf du tout. Impossible, ouais. Quasiment. Ouais. Quand vous jouez ces cartes, piochez une carte. Donc là, on a la pioche. Une fois par tour, regardez jusqu'à 5 cartes au-dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un Sengoku rouge ou jaune, ou jusqu'à une pan rouge ou jaune parmi elles. Rajoutez à votre main. 1 pour 4 000, pour repayer 1, donc tu payes 2 pour aller à tuto. Pour ça, ouais, non. Mitigé. Ça dépend de votre deck là aussi. Donc la fameuse pan qui va vous permettre justement de faire un petit peu l'engine, ce qu'on a vu juste avant. Et la bloqueur, votre total de points de vie de 2 ou moins, quand vous activez la capacité éveil de votre Goku au hasard, vous pouvez la jouer directement depuis votre main, gratuitement. Choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat jaune, passez la en mode action et annulez cette capacité pour toute la durée du tour. Du jeu. Ah, pour toute la durée du jeu, oui. Ouais. Donc une fois qu'il finit, quoi. Ouais. Ouais. C'était quoi, une super rare? Une SR? Une SR en plus. Vegeta, ouais. Explosion de fureur. Oh, pareil, moi je pense qu'en dommage, en fait, il doit être belle aussi. C'est le meilleur. C'est le Vegeta. Un seul peut être en jeu. Et s'il n'y a pas de Bulma dans une zone de combat, vous ne pouvez pas jouer ces cartes depuis aucune zone. Ah, non, donc c'est pas Bulma, celle-là, on peut la passer limite. Après, c'est la 1-15 qui peut du coup gagner bloqueur après. Si vous avez Bulma, oui, vous allez jouer. Vegeta, le Flagorner. 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 Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Je veux pas faire le mec scientifique. Le mais... Pour un barrière, 5 000. Ouais. Bon, ouais. À passer. Ouais. Plus la merde. On a plus. Faut être le cul. Ça, ouais. Vegeta, la technique puissante. La bloqueur. C'est une carte multicolore bleu-jaune parmi vos sources d'énergie. À la fin du combat, pendant que vous effectuez un combo avec cette carte, puis votre main, jouez cette carte. Ouais, tu fais un combo à 10 000 pour moi, puis tu le joues.
un Tu 10 000, joues pas mais il est l'université en bloqueur. plus, hein. Tu joues pour En plus, un. c'est un bloqueur. Donc vous vous défendez d'une attaque, vous gagnez un bloqueur juste après. Moi, je le mettrai. C'est fort. Et c'est une rare. Ah, lui, c'est celui qui. Trunks le Rusé. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Pour le du jeu, c'est le joueur dont c'est le tour veut passer. Ouais, c'est celle qui veut plus d'énergie, on peut passer. Trunks Magnificent Saiyan. Le BG. Placez ces cartes dans une dispersion depuis votre main quand une carte adverse passe en mode d'inertie via une de vos capacités, piochez une carte. Ouais. Faut enlever vos énergies, il y a certaines qui le font, en bêtise on C'est a regardé mais rare. c'est pas ouf. Transférez sa carte depuis votre zone de dispersion, donc c'est pareil, choisissez une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 4 ou moins et passez en mode inertie. Ça prend, c'est fort. Ça c'est fort. De 4 mois, 3 Ouais. mois. De 4 ou moins et ça passe en mode inertie. Ça permet de te protéger d'une attaque. Ça peut être pas mal. Bulma sous contrôle. Pour 1, quand vous la jouez, vous regardez 3 cartes au-dessus de votre deck et vous choisissez soit un baby ou un sous contrôle, vous rajoutez votre main. Tout de baby. Calme. Faut vraiment avoir le deck tourner autour, donc c'est pas ouf. Pareillement, encore un sous contrôle, la petite soutien-gorge bras. Elle a bloqueur pour 2. Quand sa carte est mise KO, choisissez ce qu'elle a mis dans une dispersion et rajoutez votre main. On ne la mettrait pas. Pour 2, Pas vous en la mettez appel. KO, pas en Non, appel. pas en appel. Gotenks, l'imprévisible. Quand vous jouez ces cartes depuis votre main, piochez une carte. Choisissez une carte de votre main et placez-la dans une dispersion. Ouais. Vous la jouez depuis votre main. Donc en gros, vous faites 2 pour piocher 1 et défausser 1. C'est une carte multicolore rouge jaune parmi vos sources d'énergie. Quand vous jouez ces cartes depuis votre main, cette carte acquiert réplique. Ah, ça par contre, ça y va. 15 000 frappe deux fois. 15 000, tu vois. Ça me va par contre. Mais il faut une rouge jaune. Donc Ouais, les c'est ça. conditions. On peut Faut voir le jouer deck. rouge jaune. Bon, ce qu'il laisse. 3 30 000, faut Ah, mettre. mais direct, réfléchissez pas. Ah, bobo, Faut pas t'imagines sans réfléchir. foil? Ouais, j'avoue. Ouais, Avec petit les bon. reflets. Sur la truc d'énergie, ouais. À 3 30 000, faut mettre un tir. Avec 30 000, hein. C'est tellement fort. C'est mal 30 000. Hein. My 30 000, rencontre c'est plus que 25, soudaine. hein. Vous avez 4 sources Ah, d'énergie 30 000, ou plus, placez les cartes dans faut une pile comboter là pour défendre. Ouais, j'avoue. Choisissez une carte de combat multicolore bleu jaune avec un coup d'énergie de 4 ou moins dans vos zones de dispersion et jouez l'arme d'inertie. Ouais. Attends, je suis en train de créer un truc, il n'y a pas de contre en fait. Non, il n'y a que le compte de mise en jeu. Mais. Si, ma seul compte, c'était le vert qui demandait de défausser une carte avec elle en même temps. Ouais. Donc il n'y a Il pas n'y de a pas contre. beaucoup de Ah, pas contre beaucoup de hein. contre. Ça va être. Ah oui, ça va vraiment du cogner en fait. Ça va être expéditif. Hein. Il n'y a que du mise en Tu vois que jeu. l'aggro jaune finalement. Hein. Bah là, là, pour la paix, je veux dire. Vraiment. Ouais, Ouais, c'est expéditif. après ils veulent pas qu'on. Super combo. Attention principale, choisissez une carte de votre main placée dans une dispersion, choisissez un. Choisissez une carte de combat adverse en ayant capacité de barrière, on n'a pas eu tant que ça des barrières mine de rien. Non. Et il l'a passé en mode inertie, choisissez une carte de combat adverse en mode inertie en ayant capacité de barrière et mettez-la KO. À mettre. Sans réfléchir. Parce que là vous dépossédez une carte de votre main pour détruire une carte sans restriction et en plus en ignorant barrière. Ouais, c'est très fort. Pour Très. c'est une 3 et rare? 19 000. Hein. C'est une rare pour toi? Et C'est une rare, ouais. 19? 19 ans. Ouais, 100% c'est à mettre. et puis même en construit, ouais, peut-être une carte de side ou un truc comme ça. Ouais. Oh non, ça paraît plus. En plus, c'est un Vegeta, c'est un Saiyan. Non, c'est pas Saiyan, c'est juste un Pas c'est Vegeta. Vegeta GT. c'est pas mal. Baby soulèvement indicatif, donc c'est un ex-evolve. Je sais un Vegeta GT dans une dispersion. Votre main passe à capter qu'un Vegeta choix injuste ou jusqu'à un super baby 1 qu'on verra plus tard. Depuis votre main ou votre deck et jouer en mode action, prenez cette carte. Donc en gros, ça permet d'évoluer un baby. Donc on retient un baby 1 ou un baby Vegeta choix injuste. Donc ça c'est le petit 1 qu'on voyait pour le baby qui se tuto avec les trucs rouges. Quand vous jouez cette carte, vous choisissez 3 cartes. Vous choisissez 2 cartes de votre main et placez dans votre zone de dispersion. Bon, en gros ça vous temporise un peu la main. Donc c'est ce qu'on disait au tout début, le baby a joué. Je suis pour. Alors, gros lot du tournoi du bingo. Je vais essayer jusqu'à un de vous les bingos, c'est à quel moment? Gros lot du tournoi bingo. Ah, c'est au tout début de Super ça, quand tu disais Et le bah bingo. ouais, quand Ouais. Beerus arrive. Effectivement. Je sais jusqu'à un de vos leaders, il gagne 5 000 de puissance pour toute la durée du combat. C'est quand elle met la claque. Ouais. Je sais jusqu'à une carte de combat. Non, je sais jusqu'à une carte Dragon Ball depuis votre deck. Je sais pas si c'est Moi bon. j'en dis. Je peux mieux défaire. Achetez votre main puis mélangez votre deck si vous regardez à l'intérieur. Ça vous permet d'aller chercher la SCR. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une SCR Dragon Ball. Attention. It's Et c'est une right. commune. Qui est trop bien en plus. Bonjour. Ouais, voilà. Moi j'aime trop.
Renaissance de la planète Toufoul. Ces cartes acquièrent souhait. Je vais essayer jusqu'à deux cartes de combat adverses et passer leur mode d'inertie. Pour deux. Ouais, Si vous voulez gérer le bois, ça peut être pas mal. Faire deux attaques. Non, c'est bon, ouais. Génération d'ondes brutes. Pour le Vegeta 16-4. Pour activer qu'un par tour, ça coûte 1, tant mieux. Si ton leader est baby, tu regardes jusqu'à 5 cartes dessus de ton deck. Fais jusqu'à un baby parmi les rajoutés à votre main et mélangez votre deck. Si vous avez rajouté une carte à votre main ainsi, fais jusqu'à une nouvelle source d'énergie et passez le mode d'action. Ouais. Ouais, ça coûte rien, tu veux chercher bah, un baby. C'est fort ça. Après, ça dépend de deck, c'est pour chercher on un baby. Moyen pour, mais. Si vous avez qu'un baby, c'est pas la peine, mais. Le contre une en jeu. Super canon Garrick. Celle-là aussi, j'espère qu'il y a une espèce. Oui, il espère. On le verra après. Si il y a une carte multicolore, c'est le cage. Même elle est. Ah, votre leader est jaune et vous avez le point de vie de 4 ou moins cartes de combat jouées par votre adversaire ouais, et 4 mis ou en moins. Jeu. Et il est mis en jeu en mode inertie. Ah, c'est la Death Ball en fait. Ah, ça la met en inertie? Ouais. La carte combat jouée, en fait, elle arrive, elle est en inertie directe. Si t'as 4 points de vie au moins. Ouais, c'est. Ça, je suis mitigé, ça se fait. Ça coûte que 1. Tu mets le bleu broyeuse, c'est mieux. C'est une bleu broyeuse, ouais. Ouais, c'est moins bien parce que. Bleu broyeuse, tu mets tout en inertie. Alors que ça, c'est 4 ou moins. Non, non, c'est quand t'as 4 points de vie. C'est ce que tu veux. Hein. C'est pas. Ah, oui, 4 votre leader est jaune, mais votre ah, point de vie, c'est 4, 4 PV en fait. Ah, donc oui, ça peut être fort, ah, oui. Mais ouais, on construit là, ça peut être quand même fort. Ah, mais si, mais c'est fort. Oui, en AP, c'est fort. Ah, est-ce que tu peux la jouer en avant? La version SPA. Trop stylé! Magnifique, les baby. Vache. Ah, quoique. En fait, c'est l'effet vert avec fumée, je sais pas. Faut voir le foilage. Oh, faut voir comment c'est fait en casse. Foil, quoi. Si tout est foilé là au milieu, ouais, pourquoi pas. Faut voir comment ça va être fait. Ah, carte noire, vas-y, si tu m'intéresses. Les cartes noires. Ah, ok, c'est Black Coast. Hein. Ah, j'aime trop. Litchi. J'aime bien le. J'aime bien le Black. Le Black Side. Le petit fruit Litchi et Achiak. Achiak. Alors, ça, on en parle beaucoup, hein, de Chilak, mais. Faut voir. Ouais. Alors, quand une carte de combat attaque, le joueur ayant attaqué ne peut pas attaquer avec des jetons, des cartes de combat avec des coups d'énergie de 7 ou moins, autre que sur la carte avec laquelle il a attaqué. En gros, quand il éclaire une première attaque, bah, tout le reste n'attaque pas, sauf si c'est des cartes de 7 ou plus. Prison. Mmh. C'est encore pire. Ah oui, il est encore pire celui-là. C'est il est vraiment pire. Dégueulasse. C'est une carte de combat attaque. En gros, si tu joues pas Broly BR, tu perds. En gros. Il ne faut pas trop passer les cartes dessus de votre deck, oh, sur cette carte, placer les cartes dessus de votre deck dans une dispersion et piocher une carte. Ça peut être pas mal. En vrai, en AP, ça peut être très fort, ça, par contre. Même en construit, enfin, après, voilà. On va voir. Vous ne pouvez jouer que des cartes de combat noir. Non. Non, en AP, en fait, non, évitez. J'ai oublié ça. Ouais. En AP, oublié complètement. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. T'imagines on l'a fait. Ouais ça, on va pas s'attarder là-dessus. Que... Du coup, tu peux pas t'inquiéter. Prison en AP. Donc, bah vas-y, t'as gagné. Salut. Ça on peut passer ça, ça vous servira à rien. C'est une demande de machine mutante noire, bah. Ouais. Non. Si vous pouvez pas jouer le leader, c'est pas la peine. Je pense qu'on va zapper les noirs, ça on verra rien d'en parler. Peut-être lui, ou lui la machine en. Si en noir il y a un contre qu'il faut. Bon alors, pas en AP, peut-être pour les skillless. Tu peux plus jouer les. Je connais pas. Tu l'as pas vu? Il y a un contre. Ça, il peut être pas mal. 4, 15 000. Placer ses cartes dans la zone de dispersion de son propriétaire, choisir une carte de combat adverse, elle perd 10 000 de puissance. Ça peut clean up, mais c'est oui, peut 4. Ça gère. Ça gère. Ça se joue, bon, c'est pas grand chose. Bon, hein. Pas. Les... Carte noire, ça passe partout. Donc... Noir, c'est la mif. Ça, c'est pas mal aussi. Placer cette carte dans la zone de dispersion. De son propriétaire, choisissez une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie supérieur ou égal au nombre de ses sources d'énergie transférées dans une dimension parallèle. Ça gère oui, aussi oui, pour 4, ça se fait. Ça joue, on a payé. Thalès, placez ses cartes dans une zone de dispersion propriétaire, choisissez une carte de combat dans une dispersion de votre adversaire et transférer dans une dimension. Non, ça par contre, le Thalès, pas besoin. Parce qu'en plus, il coûte 4. 4 pour 15, c'est pas rentable. Les guerriers fantômes, quand vous cherchez une carte, toute la date du jeu, c'est le joueur dont c'est le tour veut passer une source d'énergie en mode d'action comme c'est une carte. Donc, ça ne peut pas le faire, ouais, on s'en fout. God Gardon le défenseur. Super combo. Super combo. Ah, de joli en vrai. Ah, pour la carte noire, elle est une bleue, tu vois. Dommage qu'on n'a pas de bug, quoi, malheureusement. C'est une commune. Explosion 1, sauter une dernière machine mutante noire, réduisez 2 le coût d'énergie, donc ça coûtera 3. Explosion 1, vous devez passer la carte dessus. Passez la carte dans la zone de dispersion propriétaire, pêchez une carte. Ouais, non. Pour 3, parce que du coup ça vous l'aurez jamais. C'est nul. Si votre leader est un Natchia, qui gagne une team de puissance, ouais, non. Le terrain, parce qu'après ça, on commence à se gagner quand on fait le deck acheter votre main. Tente, non, ouais, non.
le contre mise en jeu. Je sais qu'avec une de vos cartes de combat, elle gagne 10 000 de puissance et acquiert vengeance. Ça, par contre, ça, avec le petit Goten, si vous l'avez, vu qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est une noire qui coûte seulement 1. Ça, c'est le roi Végéta, tu vois. Ouais, je sais qu'une de vos cartes de combat, elle gagne 10 000 de puissance et acquiert ça, vengeance. C'est le coup surprise. Boum. Ouais. Ça, c'est un mec, sans réfléchir. C'est une commune si vous avez des bloqueurs. Oh non, ouais, c'est une commune. Ça vous prenez. Si vous avez le Goten, ça va prendre. En plus, en noir, tu mets ça partout. Putain, c'est trop. Super Kamehameha. Ah, il doit être joli en vrai. Super Kamehameha. Il devrait être joli en vrai. Malheureusement, on l'aura pas. Mais... contre mise en jeu. Ah, bah, ça va être contre. Ah, c'est en parallèle, ça c'est mieux. Ouais, comme ça, vous l'avez plus du tout. C'est en parallèle. Alors, le radis. Ah, les bicolores. Enfin! Donc, c'est ça qui va vous permettre de faire des combos bicolores gratuits. Donc, cette carte multicolore rouge vert permet aux sources d'énergie de réduire de 1 le coût de combo de cette carte dans votre main. Donc, en gros, si vous avez déjà un rouge vert dans le terrain, enfin dans vos énergies, si vous voulez faire un arrival, bah, pour 0, vous avez une rouge verte directement. Donc, c'est pas mal. En plus, c'est de pouvoir critique. Et quand vous avez cette carte, par contre, vous la jouez. Donc, vous la jouez pour 4. Ouais. Je vais essayer qu'il y a une carte de combat avec 35 000 de puissance ou moins transférée dans une dimension parallèle sur propriétaire et elle gagne critique pour la durée du tour. Donc vous arrivez, vous dégagez un truc à 35 000 ou moins et elle gagne critique. C'est une SR, mais bon. Si vous l'avez, vous la. Ça peut être pas mal en vrai. Si vous pouvez construire autour. Sangoku, la salve d'énergie. Lui, quel est vilain de souvenir. C'est une carte multicolore rouge ou verte. Ah non, oui. Je signe de vos cartes de combat rouge avec une énergie de 3 ou moins et placée dans une dispersion. Jouez cette carte depuis votre membre d'inertie. Je sais qu'une carte de combat verte avec une énergie de 1 et mettez KO. Non. Trois trucs. C'est pas foufou, hein. Non. Vegeta salve d'énergie. Oui. Les deux sont des salves, en fait. Ça, vous pouvez avoir qu'un sur le terrain, il a bloqueur. Si une carte multicolore bleu-jaune dans vos sources d'énergie, choisissez qu'il y a une carte combat bleu-jaune avec un coup d'énergie de 3 ou moins, et puis ça dans une dispersion propriétaire. Et jouez-la. En gros, vous dégagez une carte bleu-jaune sur votre terrain pour la jouer derrière. Pour un. Mais tu pioches. Mais tu pioches. Moi ouais. Ouais. Il y a peut-être mieux, mais oui. Hit. Excusez-moi. Hit, c'est une carte de couleur bleu-jaune. Quand vous jouez c'est une carte de combat adverse, c'est passé au-dessous du deck. Bon, ça, c'est un mess sans réfléchir. C'est une SR, mais vous gérez une carte. Ah, la fameuse. Le fameux. Cookie, en plus, c'est la offrande. Fuite, 3 et offrande. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire peut choisir une carte de ses points trop de fort, vie. Et il est placé. Ça, c'est direct. Bon, c'est une SR. Hein. Ouais. C'est, ah, c'est là, moi c'est direct. Coup critique. x4. Non, et non, la non, version x2. SPR x2. Magnifique. Ça va être magnifique. x2, x3, il faut que tu l'as tuto. C'est lui qui va à la fin, juste après lui. Ça, c'est ma, ça, c'est ma petite vidéo. Triple frappe. Toujours l'offrande. Et si vous n'avez pas en jeu, vous choisissez qu'une carte de 25 000 de puissance ou moins, ou au hasard le Goku, singe qu'on a vu au tout début. Et tu peux jouer gratos. Et ouais, jouer gratuitement au nom de l'éveil. Trop fort. Triple frappe. Triple frappe. Ouais, 30 000. Ça aime la foule, les gars. Si vous voulez, j'apprends. Et la version SPR magnifique. Elle est magnifique, la SPR. Ouais, si vous aimez Goku, la CJ4. La Vegeta SS. Ça aussi, c'est pareil. Double frappe, fuite d'énergie. Évidemment. Votre leader est rouge, quand une Bulma dans vos zones de combat quitte votre zone de combat via une capacité ouais, adverse ou émise KO. C'est direct. Ah non, ça c'est direct. Hein. En plus, en fait, tu joues la petite Bulma à 1, qui a bloqueur, enfin qui a bloqueur avec la leader. Ouais. Tu bloques, elle meurt, tu rentres du grand. Tu rentres, boum. Et lui, bien, lui, il a ouais, double, ouais. Il a bloqueur, 20 000, double frappe. Et boum, il fait le boulot. KO. C'est taf, hein. Virus sans retenue. Ça c'est pareil. C'est trop fort. Quand vous jouez ces cartes, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec 30 000 puissance au moins et mettez la KO. Choisissez qu'un leader adverse en mode inertie jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie en ignorant barrière. La carte choisie ne peut pas être passée en mode action. Ça, ça rappelle un peu. Jusqu'au début de la phase suivante. Ça, ça rappelle un peu le combo. Kid. C8 Super combo là. Kid. Tu disais Super combo qui était bonne là. Ah, le Goten. Hein Le Goten là. Non, j'ai une connerie, attends. Putain, comment il s'appelle, t'as tout ce que je t'en ai dit aussi, là. Bref, t'avais un super combo que tu pouvais jouer une carte de 15 000. Un Saiyan de 15 000, ouais. Ou de 3 000, je sais plus. Shugesh. C'est le combo Shugesh qui, en fait. C'est pareil, c'est là, tu l'as fait venir. Un gars, il t'attaque, il booste tout. Tu fais venir pour
pour un rouge et un jaune, tu lui pètes. Son attaque, elle meurt. Ouais. Non, c'est fort. Ouais. Whis le spectateur. Permanent. Si une carte multicolore rouge jaune parmi vos sources d'énergie autre que cette carte annule la capacité fuite d'énergie. Ah, la rouge jaune en fuite. Trop fort. Qui enlève la fuite. Une rare. Une simple rare. Ça, c'est une carte très recherchée. Ouais. Ça va pouvoir mettre des bicolores à. On va même des tricolores bientôt à jouer. Dans le tenem pas. Tu vas pouvoir jouer du rouge. Ouf. Quand vous jouez cette carte, choisissez une carte de combat adverse et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Ça vous permet de vanish une carte. Trop fort cette carte. Le gros baby. Évolution. C'est un baby avec une énergie de 5 ou plus. Ouais, trop restrictif. En AP, Si vraiment vous avez de la chance de plusieurs essais et autres, oui, pourquoi pas. Bah oui, bien sûr. On va même le passer, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Bon, Super Baby 2, pareillement. Pareil. On peut passer. Celle-là encore peut être pas mal. Parce qu'il y en a 15 000, c'est Narivol. Ouais, vous choisissez, depuis votre deck et votre main, choisissez pas. Ça vous permet de reprendre un Super Baby 2 de leur jeu dessus. Apparition. Ouais. C'est une apparition, c'est ça qui permet de démarrer un peu la chaîne. Donc, apparition pour seulement une jaune, donc pour une jaune, tu fais venir. Ouais. Pour un time 15 000. Et derrière, si c'est une absorption, c'est encore. Mais bon, top. Après, pareil en AP. Faut vraiment voir ce qu'il faut. Ouais. Un bloqueur pour bleu. Donc tu choisis deux jetons dans clone dans zone de combat. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans zone de dispersion. Vraiment, si vous avez leader de C21 ou la 18, à jeu direct. Se contrôler la main, c'est fort. Sans beaucoup esprit de la planète. Il a la résurrection. Donc en gros, la résurrection, c'est placer depuis votre main dans une dispersion une carte bleue et une carte verte. Ou une carte multicolore bleu-vert. Quand cette carte est mise KO, jouez cette carte et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Donc c'est fort. Donc vous défaussez d'une carte bleu-verte ou une bleue et une verte et vous la ramenez. Une seule fois par tour. Sa carte peut être jouée que. Vous jouez des capacités autres que résurrection bleu-vert. D'accord. En gros, vous ne pouvez pas la ramener depuis le cimetière. Autre que la résurrection. Sinon, vous ne pouvez pas la faire revenir. Une fois par tour, en jouant un bleu-vert, cette carte gagne 10 000 de puissance et acquiert triple frappe pour la durée du tour. 15 000 triples, une rare. Plus 10 000, 25 000. Ouais, 25 000 triples. C'est fort. Ça, c'est fort. Allo direct, ouais. Sans réfléchir. Une rare, ouais. Une rare, peut-être à toper. Sangwan et Piccolo élevé maître. Fuite, résurrection aussi. Et quand sa carte attaque, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans une zone de dispersion. Un mètre, sans réfléchir. C'est une 15 000 en plus de barrière, donc elle sera protégée des destructions. Un mètre. C'est 17 protecteurs de la nature. Très fort. Donc c'est ça qui annule les fuites d'énergie aussi en bleu-vert. Bleu-vert, donc ça vous permet d'ouvrir d'autres situations aussi. Une fois par tour, quand votre adversaire effectue une combo, choisissez ce qu'il y a une carte utilisée durant cette combo, passez au-dessous du deck de son propriétaire et annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. C'est un peu comme les brûlés midrange. Tu annules un combo simplement. Donc c'est fort, 1 mètre. Ouais. Ouais. Pour 2, 15 000, ça frappe et ça annule le combo. Le très recherché CSS. Très recherché. Fuite d'énergie normale. Il y a une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie. Quand vous laissez la carte depuis votre main, rajoutez la carte au-dessus de votre deck et vos sources d'énergie en mode d'inertie. Vous ne pouvez pas jouer de carte de combat avec des puissances de 30 000 à 35 000 pour toute la durée du jeu. Ça vous bloque un peu la puissance. Mais ça vous permet de rampe. Si vous avez aucune. 35 000, ça va encore. Ouais, si vous n'avez aucune. Plus 30 000 upgo, mais c'est. Ah, une version spare. Jojo. Toi, t'as une magnifique l'espère. Ouais. Belle. Ah, la C21. Prédatrice. Prédatrice. Brutale. Brutal. J'aime bien son nom. C'est joli. Très offensif, 25 000. Déflect. Fort. Déflect en plus. Ouais. Quand je vais cette carte depuis votre main, choisissez toutes les sources d'énergie non multicolores adverses. Et toutes les cartes de combat non multicolores adverses ignorent la capacité barrière. Merci. Annulez leur capacité et retournez-les dans le deck de leur propriétaire. Boum. Le Zeno
et Jiren en même temps. Ouais, trop fort. C'est trop fort. Ouais. Si vous Elle coûte 8 jouez. quand même, mais. Si vous la droppez et que vous jouez bleu et vert, vous la rentrez après. Voilà. Si jamais. Même sans bleu vert, ça Ah rentre bah plus sans bleu cher. vert, C'est un retour 8. Tout Ah, vite, vous 8, ça gagnez. pique, hein. Vous gagnez. 8, ça pique à jouer, mais. Ah, oh, c'est vachement super. Ouais, je préfère la laisser en vrai. Oui, moi aussi. Wow. Sur celle-là, oui. Car vraiment. Moi j'ai plus un laisser. Docteur Willow. C'est ce qui joue avec les noirs, ça. La merde, Ouais. non, c'est bleu, non, c'est vert, non, Résurrection pour bleu vert ou vert quand bleu, je vous se crois. cache, c'est qu'il y a 2 cartes de combat dans votre dissipation adverse, c'est placé sous cette carte pour le laboratoire. Ouais. Pas ouf. Bon. Docteur Cofield. Laissez une carte de votre main, placée sous. Ouais, c'est pour jouer avec le laboratoire, mais ouais, bon, faut passer. Là, on va arriver sur les NHR. Nouvelle rareté. Magnifique. Faut voir quoi Attends, ressemble. En putain, espérant que le foil va pas tout héroïque casser. quand on joue C'est une folle carte ça, héroïque. gros. Avec, Ça va être folle. avec la capacité héroïque. En gros, quand vous allez jouer une carte de combat héroïque, vous activez la capacité d'une carte extra héroïque. Donc tout ce qui est héroïque, piochez une carte et mettez ses capacités pour toute la durée du tour. Donc à chaque fois que vous allez faire un truc héroïque, dès qu'il y a un truc héroïque qui va se jouer, bah, vous allez piocher une carte. Ça c'est génial. Choisissez une Bulma rouge en zone de combat et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Jouez cette carte depuis votre main et choisissez une carte de combat adverse en ignorant capacité barrière. Elle perd 10 000 et vous ne pouvez jouer Vegeta héros fier pour toute la durée du tour. Ouais, il faut une Bulma quoi. Mitigé, surtout que vous allez prendre drop des masses de elle-même. Toujours Virus en vilain. diabolique. Donc des diabolique, quand vous jouez une autre carte diabolique ou activez les capacités diabolique, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans la zone de dispersion. Si vous avez plusieurs diaboliques, c'est god. Pas mal. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un virus dans votre zone de dispersion qui a un coût d'énergie de 3 ou plus et rajoutez à votre main. Si vous avez 5 cartes ou moins en main, piochez également une carte. C'est C'est pas fort. mal, hein? Moi je jouerai. Elle coûte que 2. Ouais, ça va, On se hein. rappelle du virus à 15 crit qui nous a fait plaisir. Sangoku, héros fier. L'héroïque encore. Choisissez 3 jetons de clones dans la zone de combat adverse et retirez de la partie et jouez ces cartes depuis votre main. Bon. Pour 4, choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat dans votre zone d'énergie. Effectuez un combo avec cette carte. En combat, cette carte acquiert triple frappe. Il a quand même 30 000 de base. Hein. Non, Oh. il n'a pas 30 000. J'y arrive pas à aller. Non, puissance 10 000. 10 000. C'est juste que c'est mal écrit. Il a 10 000 de base, il coûte 3. Mais il faut faire 4. En gros, vous la jouez, il faut 4. Ouais, non. Ouais, est-ce Soit vous la qu'on jouez gratuit ou vous jouez 4. Ouais, non, non. En fait, C'est combien d'énergie? 4? 4 pour jouer l'activation principale, il coûte 3 de base. Ou alors, si je joue gratuit en Ça va retirant jouer avec, 3 clones. avec un Shenron, ça. Ah non, c'est Non, 3 avec les mana. clones. En gros, pour 3 clones adverses que tu retires, tu la joues gratuitement. Ouais, mais dans un Shenron, non? Un Shenron, Non, parce qu'avec le souhait maintenant c'est 3 au moins, je crois. ouais. Ouais, donc c'est bon, c'est fini. Ouais. Non, Même puis pas. il y a mieux un tuto que ça, Oui, de au toute mieux. façon. C'est 21 dévastatrice diabolique. Donc c'est Bien une joué, chose Jean. diabolique. Ouais. Ah Choisissez oui, une de vos sources d'énergie et placez-la dans la zone ça pue la merde. dispersion. Quand vous jouez cette carte, choisissez toutes les cartes de combat adverses avec des coûts d'énergie de 4 ou moins et placez-les au-dessous du deck. Et elle coûte 4 elle-même, donc fort. À mettre. Très fort. Puis elle est jolie en plus. Diabolique. Ouais, joli, hein. Encore un héroïque. Coup critique. Il coûte Picou, 4, 20 000. tu prends, direct. Une fois par tour, choisissez une de vos cartes de combat, placez-la dans une dispersion de son propriétaire. Choisissez une carte de combat adverse, mettez-la KO. Votre adversaire choisit une carte de sa main et place dans la zone de Oh, dispersion. trop fort! Beaucoup trop fort. Enfer! Pour 4. Pour 4, tu détruis une carte et tu lui détruis une carte de sa main en plus derrière. Et la critique derrière. Tu fais moins 1, moins 1, moins 1. C'est bien. Trop fort. À mettre sans réfléchir. C'est une héroïque. Docteur Willow. Diabolique, évidemment, parce qu'il est méchant. Quand je sais que je vais essayer de gagner forcément dans une zone de dispersion, rajouter à votre main, je vais essayer de gagner un combat adverse, mettez les KO. C'est beaucoup de forcenés, pourquoi pas. Coup de 4 quand même. Je vais essayer un docteur Cochin dans une zone de combat et mettez les KO, je vais essayer de depuis votre main. Ouais, ça peut activer les Cochin, mais ça dépend ce que vous avez dans le deck. Et c'est ce qu'il y a. Coucou, c'est ce qu'il y a de héros fier. Barrière héroïque. La barrière, ça c'est cool. On peut en avoir 15, je pense que c'est normal. Quand vous activez la capacité éveil ou vœu de votre leader, c'est gagné 20 000 de puissance et acquiert double frappe. Mais 15 000 de base pour 3. ça va. 35 000 double au moment de l'éveil. Ça va. Ah, c'est pas mal ça. Coup critique, diabolique. Quand vous activez la capacité éveil ou vœu du leader, c'est gagné 15 000 de puissance et acquiert réplique pour toute la durée du tour. 15 000, 3 aussi. Donc t'as 30 répliques. C'est au moment de l'éveil, ouais. Charge héroïque.
Karakiri héroïque dans toutes les zones. Donc ça fait le 5 que pour y jouer. Tu veux me mordre, c'est ça? Choisissez jusqu'à un de vos leaders, il gagne plus de 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Choisissez quelqu'un de combat adverse avec un coup d'énergie de 2 ou moins et mettez-la KO. Moi, bof. Bah, elle coûte 1, donc ça va. En T1, ça peut être cool. Pourquoi elle est jolie? Mais ouais, c'est super joli. Et ça peut activer les effets héroïques si vous en avez. Mais après, exact. Ça reste une HR, donc. Exact. Pour en dropper 2, ouais, ça permet de chaud. Mais... Caractère diabolé, vous traversez un cadre de combat sans capacité en jeu. Alors, vous traversez une carte de combat sans capacité en jeu. Choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverses avec un coût d'énergie de 4 ou moins. Pour un total le coût de 4 ou moins et transférez-les dans les dimensions parallèles de leur propriétaire. Donc, jusqu'à un coût de 4, vous les transférez toutes. Et là, on arrive, ouais, c'est. La première, la plus badass et la plus violente. Baby Dianemba, fusion malfaisante. Ultimate, offrande. Ils auraient pu mettre le diabolique dessus aussi. Hein. Je sais pas si c'est la plus violente. Oh, you're killing me, man. On en parle. Elle a 3 jaunes et 2 rouges pour faire l'activation principale. Elle a offrande aussi en passant. En passant. Votre adversaire peut choisir 3 cartes de ses points de vie et les placer dans la zone de dispersion. S'il fait ainsi, placez ses cartes depuis votre main dans la zone de dispersion. En gros, elle vient, elle est dans le 3. Si l'adversaire le veut. S'il ne le veut pas, donc au contraire, jouez sa carte depuis votre main et choisissez jusqu'à un leader adverse et perd 30 000 de puissance pour toute la durée du tour. Rappelons d'ailleurs que le leader peut passer en négatif. Donc en gros, bah, si vous êtes éveillé à 15 000, bah, vous passez à moins 15. Vous passez à moins 15 et vous avez juste... une carte à 35 000 qui arrive, à 40 000 qui arrive. Tu passes à moins 15, lui de bourrine. À 40 000, gratuit. Coco, je suis là. Puis même avec celle-là, mais avec, et tout, il a offrant, avec tout son banc. 1000, ouais. Avec tout son banc, de toute façon, t'es à moins 15, t'es obligé de comboter. Ouais. Pour essayer de. T'imagines? Tu c'est le tour 5. Ouais, mais comme il n'y a pas beaucoup de contre. Voir. Ah non, mais on a fait, il n'y a pas un AP là. Là, tu pleures. T'as devant toi. Ah bon, l'AP, t'as perdu. L'autre SCR, le Vegeta SS4 Paroxysme de la Force Primitive. C'est pas ouf. Ouais. Quand trop on belle, la c'est... joue, vous pouvez choisir si c'est votre tour, elle gagne double frappe, critique, tri-offensive pour toute la durée du tour. C'est ça, elle fait pas les choses à moitié. Et si c'est le tour adverse, choisissez une carte adverse en ignorant que le poste du bord. Alors placez dans une dispersion, son propriétaire, et rajoutez jusqu'à 2 cartes du dessus de votre deck et vos sources d'énergie. C'est là, elle est violente. Quoi. C'est un Vegeta. Pour moi, c'est la meilleure. C'est là, moi, violente. Je préfère. Celle-là. Pour moi, c'est là, elle est plus terrible. Si je drop celle-là. Non, chez rien, ça va faire tellement. Et la dernière, le c'est trou là. Noir de Yu-Gi-Oh! En version Dragon Ball. Ça, elle m'a plaît. Je vais la jouer. J'ai décidé de 1 le coup de sa carte pour dans votre main pour chaque carte de combat dans la zone de dispersion. Ouais, carte de combat, par contre. Ouais. Et à la fin de ce tour, choisissez toutes les cartes de combat niant en capacité de barrière et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. Trop fort. Tu restes devant pour 3 ou 4, quoi. Pour 0, même. Oui, même pour 0, mais bon, si tu le fais pas trop tard. Bah, Force, hein. Ouais. La paix, ça va être ça chose. Dans mon prison. Ça peut être fort. Picote, hein. Un peu, hein. Du coup, pour résumer tout ça, au niveau de la paix, bah, en rouge, but de main, c'est. Ouais, pas. Après, voilà, si c'est vous avez ça, oui, allez-y. Vous avez pas de chance. Pas... Ouais, voilà. Je pense que l'idée d'un jeu, c'est Virus. Virus à jouer, Kaioken, les Android, si vous avez beaucoup d'Android qui ont avec, voilà, ça va être très fort. Ça va être les 3 leaders à topper. Le plus fort, ça a l'air d'être Kaioken quand même. Kaioken a l'air violent. Kaioken, il permet de pêcher 3, c'était vraiment du bol. Ouais. Pêcher 3, c'est vraiment très fort. Après les cartes, sinon. Fort, fort, fort. Ouais. Bah, le virus, virus critique. Virus critique, ouais. Virus critique, c'est bon, les gars. Ouais, surtout en AP, enfin, même partout. Non, virus. Après, bah, si vous dropez une secrète, bah, c'est GG. GG, mais reste à dire. Ça, c'est... Bon, bah, écoutez, on a fait le tour. Et... Je sais pas, il y a des questions pas ou pas, les... non? Il y avait des questions? Qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai pas vu tout ce que c'est dit, en fait. Effectivement, on n'avait pas le chat devant nous. Alors, je dis que c'est pas drôle. Antoine souris, bisous, bonne nuit, les gars. Voilà. On a oublié Petit Robin, perdu Tristan, la SR n'est pas 3 Dragon Ball. Hein? Pas compris. Ah, salut Carcasse, donc tu ne peux pas la tuto. Ah, c'est pas une Dragon Ball la SR? J'avais pas eu. Non, je crois pas. Tac tac tac. J'avais vu passer un truc là-dessus. Dragon Ball que dans le nom. Ah, que dans le nom.
On n'est pas passé en Dragon Ball, tu vois, tu peux Ouais, là, tu dois. ouais, tu vois, parce que sinon, tu es avec Je disais, c'est Dragon trop Radar. fort, je disais, ça devrait être trop fort, mais non, Avec effectivement. Dragon Jason est trop Radar. chaud, Jason. Boum, 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 boum. Ouais. Ça, il est trop chaud bouillant. Mais ouais, du Là, les coup. gars, vous êtes trop chaud, là! Jason, il est déjà en train de commander de la BT8 là, Bah, sur, gros, mais sur Card Market. il est déjà Il a prêt, déjà là. fait le deck. Là, gros, il est tout en anglais, là. Hello! Il va bien. Hello, are you my friend? Hello, I want to play to you tonight. C'est ça. You are talking to me. You're talking to me. Jason, il va être là. Il va claquer les pommes, c'est ça. Il va rien Jason, napper. il va tous Il va être trop nous. chaud. Bon, bah écoute, on a fait le tour. On a fait le tour là. Ouais. Bon. Petits mots, des Petit mot pour la questions, je sais fin. pas. Petit mot pour la fin. Ah, Bonne qu'est-ce que t'as chance, les pensé gars. de ce premier stream Merci à Antoine. Ah, toi, c'était cool, Antoine? hein. Cool? C'était cool, hein. C'est kiffant. À reproduire, hein? Ah, de ouf. Bien sûr. Donc on a déjà pas mal d'idées pour la suite. bien Donc, sûr bien sûr beaucoup de choses en préparation. ouais, on vous prépare ça, on va faire ça bien. Espérons que ça vous plaît, que le contenu vous plaît. Puis n'hésitez pas à commenter. Puis Aimez la chaîne la YouTube tout chaîne ça, YouTube, abonnez-vous, likez, partagez, partagez. puis la mif Ça. quoi. Et puis pareil, dans la semaine, un petit sondage pour Le le combat du cho le fraternel, ouais. choisir le deck de la communauté. Yes. Puis on verra. Ok. Bon, bah Du écoutez. coup, RDV semaine prochaine. Ouais. Même heure, même jour. Tout à fait. Samedi. On Même aura. jour. Quoique, il y a les AP, Ouais. mais bon, je C'est quand pense les que appels? Semaine c'est prochaine, le week-end justement. prochain. C'est vendredi, Ouais. samedi, c'est quand? Ah, c'est avec C'est moi les samedi, boutiques, quoi. dimanche. Ouais. Samedi, dimanche, quoi qu'il arrive. Yes. Donc écoutez, bah, nous, je pense qu'on sera là quand même en ligne. On va faire en sorte. Bah, soit il y aura. On tiendra au courant dans la semaine. Ouais, on va voir comment on va gérer, mais. S'il y a le stream ou s'il n'y a pas le stream, on Ça bien. verra comment ça se passait. Ou Au peut-être on fera pire. une petite vidéo, peut-être. Ouais, au Une pire. petite On va tranquille, ouverture. quoi. Ouais. Ouais. Une petite ouverture. On verra bien. On va voir comment on va pouvoir vous construire ça. Ok. Sur ce, Bon, restez actifs bah. sur les réseaux sociaux et Bientôt. à bientôt. Ciao! Ciao!